Eh bien bonsoir, bonsoir Manon. Bah tu vois, Manon, t'arrives, mais vraiment, t'as posé ta question vraiment au bon moment. Bah, je vais baisser un petit peu la musique par contre. Voilà, c'est juste un fond musical. Hop, et hop. J'espère que ça va bien, Manon. J'ai bu un café, j'écoute et je fais des équations en même temps. Bah je pense que... Faut pas que tu t'endormes. Et très très joyeux anniversaire donc Manon. Très joyeux anniversaire. Demain j'ai un examen de maths pour valider mon semestre. Donc j'ai révisé tout le week-end. Ouais, j'imagine que c'est pas le meilleur anniversaire du coup que t'as dû passer. Mais quand même très très joyeux anniversaire à toi. On va faire quelques petits trucs techniques ce soir. Ce soir il y a notamment... on va regarder un truc, un outil de supervision que je connaissais... Enfin si, ça fait une... Enfin j'avais vu une fois et là j'ai commencé à regarder ça. Peut-être que ça pourra t'intéresser. C'est le pire annif de ma vie. Faut dire que les prochains seront pas mal. Non, non, évidemment, c'est pas de la géo, ça. C'est un outil qui se veut être le plus simple possible à installer. Puis c'est surtout qu'il te remonte des métriques que j'avais jamais vu remonter. Hein, il va aller creuser dans la mémoire de la machine. Et dans la mémoire de la machine, il va remonter des informations ultra précises sur... combien de requêtes de mémoire il y a eu au niveau des caches, les hits sur les caches, etc. C'est ultra intéressant ce qu'on peut récupérer comme info. Ça s'appelle NetData, on regardera ça tout à l'heure. Mais voilà. Bonsoir McCall, et McCall pour information, c'est l'anniversaire de Manon. J'espère que tu es en forme, McCall, tu as passé un bon week-end. Et je vous montre le retour de l'aquarium. The Aquarium is back. Bon, c'est encore un peu sombre ici, mais ça devrait changer. Mais c'est encore un petit peu sombre derrière. Il y a encore des améliorations à faire. J'ai fait un setup double caméra ce soir. Pour vous. Avec, hop, une caméra là-bas, une caméra ici. Mais... Bonsoir Jikergou, je suis en mute, je me rattraperai en replay. Bonne soirée, bah écoute, bonne soirée à toi aussi et bon courage. Et merci beaucoup Alain pour ton 8e mois d'abonnement. J'espère que tu vas bien, que tu as passé également un bon week-end. Merci beaucoup pour le resub. C'est marrant parce que j'ai mon tableau de bord qui est là. Vous voyez pas, mais j'ai mon tableau de bord qui est là et j'ai 84 abonnés. Et puis là, moi je vois que là il y en a 89, donc c'est un peu chelou, mais bon, ça va changer. En tout cas, merci beaucoup à toi, Alain. Bonsoir, Solid Seb, j'espère que ça va. Salut, Antoine. Salut, BC, Ludo, FRA. Bonsoir, HamHack76. J'espère que tout le monde va bien. Alors, j'ai complètement oublié de remettre les sons commandables. Et c'est juste que, comment est-ce que je vais faire ça? Faut que je reprogramme un truc. Et t'as vu, effectivement, l'aquarium est de retour. Oui, ça faisait longtemps, Solid Seb, bah voilà, c'est reparti, on est reparti pour une saison complète de live. Peut-être pas tous les dimanches soirs, parce que quand je suis en déplacement, c'est du coup un petit peu plus compliqué. Merci beaucoup. Bonsoir Elliot, bonsoir, vous faites quoi sur cette chaîne? On parle en général soit d'informatique. On va parler un petit peu Linux, on va parler Raspberry Pi. Quelquefois, on parle de radiocommunication également. Merci énormément, Alain, pour les 5 abonnements offerts. Vous pouvez dire un énorme merci à Alain si vous avez été abonné par Alain. Bonsoir, Nidouille. J'espère que tu vas bien. Notamment, l'Artux, BC Ludo FRA, j'ai adoré 11 sur 20, l'Actor. Et tu veux voir mon geek, vous pouvez faire un énorme merci à Alain qui vous a offert donc des abonnements. Et Manon n'a pas 40 ans, elle doit avoir quoi, 19 ans, Manon, hein, à peu près. Bonsoir Skyvador, j'espère que ça va bien. Je vois que vous êtes en train de déclencher le train de live. Je suis déjà à la bourre dans les messages. Tu fais des OPSP, parfois ma boîte fait le tour des gens de Twitch en ce moment. J'en ai pas fait pour le moment, mais je suis ouvert à tout.
Les messages directs sur Twitch sont ouverts, donc n'hésite pas à me contacter là-dessus si tu as des propositions. Je sais pas si je dirais oui ou non, je sais pas si c'est intéressant, pourquoi pas. Merci beaucoup Nidouille pour ton abonnement, 9e mois d'abonnement. Merci énormément. Bonsoir Yuki Misake. J'espère que tu vas bien Yuki Misake, que tu as passé un bon week-end. On pourrait se pencher un jour sur le délire du message TMP CRB. On pourra regarder. Oula, merci beaucoup Amhack pour les 100 hits. Il est un peu. Ah, attendez, hop, je vais faire un truc parce que là vous avez pu me voir un instant. Et je crois que j'ai foiré une des alertes. Il y a une des alertes que j'ai foiré, puis du coup ça casse tout. Je reviens. Voilà, j'ai réparé le truc. Va falloir que je la regarde celle-là. Merci énormément pour les 100 bits. Amhack. Solid Seb. On pourra regarder ça. Il faudra qu'on regarde. Mais c'est pas dit que j'ai grand chose à dire dessus. C'est ça le problème. Bonsoir Shoryu, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup Xavier pour l'abonnement de niveau 1. 18e mois d'abonnement de la part de Xavier qui fait partie donc des membres fondateurs. Je suis obligé de refaire ça parce que sinon. Mais qu'est-ce que j'ai foutu avec le test beats? Normalement, ça devrait faire ça. Je sais pas pourquoi, est-ce qu'il me fait un truc chelou. Je sais pas pourquoi. Bon, pas très grave. Merci beaucoup également, Nils, pour l'abonnement de niveau 1. 5e mois d'abonnement. Merci énormément à toi. Ça fait très 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 plaisir. Manon qui nous dit, j'ai 4 ans selon mon épouse, mais en décomposition en facteur premier, il y a 2 puissance 2 fois 3 puissance 2. Je vais laisser les gens faire le calcul. Ouais, Your Zen is no following, c'est pour remettre l'écran, pour pas tout casser, pour qu'on ait d'autres alertes. Je sais pas ce que j'ai foutu. Merci McCall et Alain B pour les bits et puis pour les 100 bits. Merci Alain. Décidément, Alain, t'es très 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 généreux ce soir. Merci énormément. Bonsoir Louis, j'espère que tu vas bien, Louis, que t'as passé un bon week-end. Pas de soucis, Skyvador, en DM, en message direct via Twitter, via Twitch ou par mail. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. J'ai oublié de mettre mon adresse mail dans une vidéo. N'hésite pas. Ah, je m'ai trompé, c'est dans l'autre sens. 24 ans pour Manon, en fait, aujourd'hui. Voilà. Bonsoir, Bumblebee. Et 24 en base exa. Ça fait 24 en base exa. Ben voilà. Ça fait très plaisir, Skyvador. N'hésite pas, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas du tout s'il y a un truc qu'on pourrait faire ensemble, mais je suis ouvert. Je suis ouvert à toutes sortes de partenariats. Il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce que ma playlist s'est arrêtée? Alors, je dois vous avouer que comme j'ai fait plein de réglages différents, on va refaire ça. Voilà, hop. Comme ça, on va y avoir la playlist. La playlist derrière, c'est pas trop fort. Non, ça devrait aller. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Voilà. J'ai passé mon week-end en convention avec des potes. Ah bah ça, c'est cool. Ça, en général, c'est des bons week-ends. T'es peut-être un petit peu KO du coup, non? Ah, j'ai loupé le truc, mais vous avez déclenché le train de l'hype. On est déjà niveau 3 du train de l'hype. Bonsoir Chloé. C'est le nouveau studio en configuration définitive où il va évoluer. Il va évoluer. Ici, j'essaie de voir un petit peu comment mettre les choses. Tu vois, je me suis dit, bon, je vais foutre l'aquarium là. Ici, ça manque un petit peu de. Bah, je pense que déjà ici, il va y avoir des mousses. Et puis, si tu regardes sur l'autre caméra, tu vois, c'est quand même un petit peu le bordel. Notamment, je sais pas comment je vais. Ici. Ici, là, c'est un petit peu le bordel parce que j'ai remonté les trucs de la cave. C'est pas non plus très très bien rangé ici. Donc, ouais, tout ça, ça va évoluer. Il va y avoir plein de choses qui vont évoluer. Hein. C'est vraiment en mise en place. Il y a BC Ludio FRH, je pense qu'on peut lui envoyer de bonnes ondes parce qu'il a un serveur qui vient de crasher et qui est d'astreint. Et il est d'astreint. Et bien, bon courage à toi, Ludo. Bon courage à toi. J'espère que ça sera pas bien, bien grave. Merci beaucoup pour le train de l'hype, tout le monde. Le train de l'hype niveau 3, 9 abonnements et 201 bits. Merci énormément à vous. Un bon week-end bien fatigant. Oui, j'étais à Yggdrasil à Lyon.
Ah, sympa. Yggdrasil, ça devait être une. J'ai pas du tout suivi ce qu'il y avait, mais Yggdrasil, ça devait être un truc sur Linux, j'imagine, du coup. Bonsoir, Royal Milit. J'en pense quoi de Zabbix? J'ai pas grand-chose à dire sur Zabbix, parce que c'est un outil que j'ai utilisé à une époque que je trouvais très très bien en alternative à Nagios. Maintenant, ça fait des années que je ne l'ai pas réutilisé, donc j'aurais du mal à dire du bien ou pas du bien. Ça fait le taf, ça c'est clair. Bien configuré, à l'époque il était vraiment pas mal. Voilà. Le problème des outils comme cela, c'est que ça nécessite quand même un gros gros travail d'intégration, un gros travail de configuration, qui est pas négligeable. Donc c'est ça un petit peu un des défauts, c'est que c'est pas simple forcément à installer. Et c'est là-dessus que l'outil que je vous montrais ce soir tout à l'heure est capable de prendre un avantage. Parce que quelquefois, on veut de la supervision de façon assez simple, sans avoir besoin de passer beaucoup. On veut un truc simple et basique, voilà. Enfin, basique. Un truc simple, sans avoir à. Comment je dirais? À faire des réglages qui nous sont spécifiques. Zabbix, il est formidable pour ça. Tout comme Nagios, même si Nagios, il accuse un peu le poids de son âge. Je préfère Zabbix et Nagios, hein. Après, Netdata, tu vois, tu l'installes, ça, il y a des trucs qui tombent derrière, direct. Voilà Royal Milit pour Zabbix. Bon outil, Zabbix. Nécessite un petit peu de configuration. Bonsoir Nico, comment vas-tu? C'est Cockpit que tu utilisais dans ton live à l'hôtel? Tout à fait, c'est Cockpit que j'utilisais là-bas. Bonsoir Darkmind, j'espère que tu vas bien. Il y avait du Harry Potter, du Doctor. Ah ouais, effectivement. Comme dit Nidouille, c'est un excellent outil de monitoring. La version de monitoring, la version 6 arrive dans l'année. J'ai lâché, je n'y suis plus, je ne suis plus, mais ça fait grave le taf, quoi. Et oui, tu as raison, je dois faire tous mes modèles pour mes appareils. Ouais, tu passes pas mal de temps. Quand tu veux juste voir s'ils sont up ou down et puis quelle est la charge machine. C'est beaucoup de boulot. Alors, c'est beaucoup de boulot. Il faut comprendre comment il marche, etc. On va dire, c'est pas le même. Ce que je vais vous montrer, c'est pas forcément le même public, le même client attendu que pour Zabbix. Mais je vais pas commencer par la supervision. Hein. Je vais pas commencer par ça. Je l'ai mis en place dans un lycée en 2005 pour un stage. Ouais, non, mais ça fait un moment qu'il est là. Hein. Ça fait un moment qu'il est là. Bonsoir. Tout le monde nous dit Rolling Phoenix. Eh oui, t'as vu, l'aquarium est de retour. L'aquarium est de retour. J'espère que tu vas bien, Rolling Phoenix. T'as passé un bon week-end? Je sais pas si t'avais une compétition ce week-end. Bonsoir, le Popeye. Bonsoir, Bandit. Hello, Yorzien. Comment ça va? Aujourd'hui, j'ai fait un routeur avec mon Raspberry Pi. Je me suis amusé à regarder le trafic passer, mais j'aimerais plus d'infos pour savoir quel site est consulté ou autre sur les noms de domaine qui apparaissent. Faudrait qu'on fasse un live sur la. Sur ça, sur les stats qu'on peut tirer, faudrait que je regarde les outils qu'on peut avoir avec ça. The Dude de MikroTik sur Windows, c'est simple et facile. Je connais pas, donc peut-être. Nagios c'est moins utilisé, on n'utilise plus ses forks comme Centrion ou Isinga. Ouais, heureusement, parce que Nagios de base, c'est vraiment. Mais eux, Prometheus. Alors, Netdata utilise du Prometheus hein, derrière. Cockpit fait aussi du monitoring. C'est ce que j'ai vu lors de mes premières recherches Docker et VM. Ouais, tout à fait. Mais en fait, tous les éléments que vous citez, ça correspond. Ils vont tous avoir des usages différents, en fait. Ils vont tous avoir des usages différents. Je rentre pas dans la discussion sur l'ASF. Hein. Je vous laisse discuter sur l'ASF. Je rentre pas dedans parce que là, je vais être un petit peu largué. J'ai utilisé Ifttop pour voir le trafic. C'est très bien Ifttop. Ifttop, ça marche très très bien. Mais effectivement, c'est un outil qui va donner du trafic instantané, c'est peut-être pas un outil qui va te remonter des statistiques intéressantes de ce côté-là. Tu peux peut-être regarder, c'était pas. Il s'installe en passerelle, Nettop, à une époque qui était pas mal là-dessus. Tu veux voir mon geek qui demande ce que j'utilise pour l'aquarium? J'utilise un outil qui s'appelle AskiQuarium. Tout simplement. Je vais te le sortir. AskiQuarium. Hop! Je ne sais pas s'il n'y a que celui-là, mais voilà, un petit tour sur GitHub, j'ai celui-là. Bonsoir Abdelkara, j'espère que tu vas bien Abdelkara. Bonsoir Omarpheus. Oui, bon week-end, oui, arbitré deux matchs hier et trois aujourd'hui. Ah ouais, t'as pas chômé.
Donc faut pas que je dise que j'utilise encore une nageuse de base pour subvertir. Non, mais tu. Alors, il est nickel, il est bien. C'est juste que moi je trouve ça un peu relou d'être obligé de redémarrer une nageuse quand tu rajoutes un périphérique. C'est un peu relou de faire ça. C'est ça le défaut. Mais en plus, bah, tu me connais un petit peu, Nils. Si tu le maîtrises et que tu arrives à faire ce que tu veux avec, franchement, c'est le meilleur outil. Salut Cyril. Cyril, c'est l'anniversaire de Manon. Je comprends rien, je viens d'arriver, déjà je capte rien. T'inquiète pas, on va parler de Raspberry Pi. On va commencer par Raspberry Pi. Je suis curieux de voir NetData car je connais pas. Franchement, c'est Cyrus Pete qui vient de temps en temps ici, qui me l'a montré parce que j'ai pris une bière avec lui l'autre jour. La semaine dernière, on était un voisin de ce même pendant la semaine. Il m'a montré ça. Il m'en avait déjà parlé la dernière fois qu'on s'était vu. Et là, franchement, j'ai été bluffé, surtout quand j'ai essayé l'installation. Bonsoir, Bro. Bonsoir, Freak. Prometheus, ça marche plutôt bien. Pas toujours simple à prendre en main, mais c'est top. Salut, Fiat Minimis. J'espère que ça va bien. Bonsoir, Materose. Bonsoir, Chris, T4, Théo. Bonsoir, Zoul. Bonsoir, Yugit. Je suppose que je l'ai bien prononcé. Je suis pas sûr. Yugit. Non, mais là, vous parlez de sysadmin. Ouais, ça va venir, t'inquiète. On entend tes sons Windows en fond de musique. Il y a eu des sons de Windows. Ouais, parce que c'est une machine Windows qui fait les alertes. Donc, c'est possible. Je suis passé sur Zabbix, car c'est celui que je vois énormément dans mes missions. Bah, ouais, c'est bien de bosser avec celui qu'on voit le plus souvent pour mieux le maîtriser, quoi. Bonsoir, Vince, j'espère que tu vas bien. Hop. Bonsoir David. C'est bon pour la prononciation. Ouf. On fait une chaîne où on va parler de Raspberry, de supervision. On parle de plein de trucs hein, ici. On parle de plein de trucs. C'est assez large. Salut Rod. Yugit-all. J'ai parmi les alertes. Non, ce que je vais vous parler d'aujourd'hui. Alors déjà, en introduction, avant qu'on commence, ça fait quoi, 17 minutes. Donc je pense qu'on peut commencer à attaquer les sujets. J'ai reçu deux petits trucs qui vont me servir pour rendre le stream un petit peu plus interactif, joli, etc. Ça, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Si je le mets devant les yeux, il va peut-être faire la mise au point. Non, il veut pas. Voilà, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est une clé Zigbee. C'est ça, c'est une clé Zigbee. C'est une passerelle Zigbee pour que je puisse piloter des périphériques en Zigbee. J'ai notamment l'ampoule qui est au-dessus. Là, c'est une ampoule Philips Hue. C'est une ampoule qui est en Zigbee. Donc, je pourrais la piloter avec ça depuis un... Par exemple, depuis un Node-RED. J'ai reçu ça. Ça fait des plombs que j'ai commandé. J'ai reçu ça la semaine dernière, il y a des jours. Ça permet de faire un Zigbee to QTT, ce qui est pas mal, ce qui est plutôt pas mal, puisque ça devrait permettre de pouvoir, j'espère pouvoir le faire, en fonction des événements que vous faites, changer les couleurs, des lampes, etc. Et malheureusement, j'ai pas de SP32 pour le programmer en ce moment, mais j'ai un rouleau de LED que je vais pouvoir installer derrière. Voilà. Donc, tes cheveux ont déjà pas mal repoussé. Ouais, je suis allé chez le coiffeur la semaine dernière. Moi j'ai une clé de Decons. Je connais pas Decons. Je connais pas ta clé. Bonsoir Chubby. Ça va être tout beau, ouais. Mais il faut prendre le temps quand même, parce qu'il y a du boulot. Déjà j'ai un petit peu travaillé la lumière, etc. aujourd'hui. Donc là l'image est quand même plus jolie là que quand je la mets comme ça. J'ai pas prévu d'aller dans le canapé aujourd'hui. Donc je vais rester installé ici le temps de faire le live. Parce que je voudrais mettre un micro comme celui-là. Vers le canapé pour que vous m'entendiez bien et pour prendre les Zigbee. Dès qu'on burpe, je regarde ça. Ah oui, je vois. Ok. Bon, c'est le même genre. Hein. C'est tout à fait le même genre. Moi, c'est une Sonoff. Ouais, c'est tout à fait le même genre. On parle de cheveux, il y a Chubby qui se connecte au live.
Les LED, je vais les faire fonctionner comment? Les LED, je vais les piloter pour le moment. Bah, comme j'ai pas de SP32, je vais mettre avec un Raspberry Pi 0. Et puis justement, avec la clé, j'espère, avec les Zigbee ou MQTT, je vais récupérer. Alors, dans mon idée, c'est un peu compliqué là. Dans mon idée, je devrais pouvoir récupérer les événements dans Node-RED, les balancer de MQTT, puis de MQTT, faire des trucs derrière avec avec ça. J'ai retrouvé des ESP32 si tu passes à la défense mardi ou vendredi. Ah non. Et puis alors, mardi, clairement pas. Mardi, j'ai rendez-vous pour prendre la troisième dose. Et vendredi, je ne sais pas encore. Mais le vendredi, faire l'aller-retour. On verra, peut-être, on verra. Je viens de réaliser, on ne verra pas Punk. Plus de gamelles de bouffe. Non, on verra pas Punk, tout à fait. Mais alors tu vois pas, mais il y a Tokyo qui est là à côté de moi. Je sais pas si t'avais vu Tokyo, mais Tokyo est à côté de moi. Sur votre caméra, on le voit ou pas? Non, on le voit pas. Là, il est sage, donc je vais pas le réveiller. Stop Node-RED pour contrôler Philips Hue. Ouais, ouais, complètement, complètement. Hors sujet, j'ai vu ta vidéo sur les VPN. Enfin, une bonne explication. Merci, ben merci, merci beaucoup, Crashwaz. Merci énormément. Les notifs sont un peu fortes. Eh ben, je vais les baisser un petit peu. Hop, je les ai baissés un petit peu. Est-ce que je vais les actionner avec un logiciel? Non, directement avec les événements. Non, c'est Node-RED, je vais y programmer pour piloter les LED directement. Les LED, en fait, je vais les brancher sur une Alim et puis sur un Raspberry Pi, et le Raspberry Pi va être capable de le contrôler. Ou un ESP32. Bonsoir Tom, j'espère que tu vas bien. Ah, mais on veut voir le ski. Je vais complètement... je mets complètement dérégler les trucs. Non, je n'y arriverai pas depuis là. Vous le verrez, vous inquiétez pas, t'inquiète pas, vous le verrez. Est-ce que je mets toujours mes rediffs en rediff tes lives? En général, ouais, c'est exceptionnel que je le fasse pas. Donc ils sont accessibles, et puis il y a la chaîne... Oh, zut, là, je suis à la bourre dessus. Il y a la chaîne YouTube secondaire où il y a les VOD que je reposte. Mais là, j'ai au moins 6 mois de retard. Alors, première chose dont je voulais vous parler, c'est ce dont on avait parlé la semaine dernière. Bonsoir Novarg. Il va vouloir de l'attention bien assez tôt. Exactement. Il m'a déjà salopé le canapé derrière. Hein, donc, Et là, il a l'air tout sage. Alors, je vous ai parlé qu'il y a une méthode pour installer Raspberry Pi. Ah oui, il y a un truc que j'ai pas préparé, tiens. Il y a une méthode pour installer Raspberry Pi, la version bêta de l'outil, qui va permettre d'installer Raspberry Pi en partant de rien. Quand on a un Raspberry Pi, qui va être sans, avec une carte SD qui est vide. Et donc on va tester ça, de pouvoir l'installer avec ça. L'actionnaire, ça va être quoi? Raspberry Pi, ça va être le contrôleur, mais l'actionnaire, ça va être quoi? Ça va être les événements qu'il y a dans Twitch, par exemple, qui vont être récupérés par Node-RED, qui tourne sur un Raspberry Pi, aussi sur un autre Raspberry Pi, et qui vont envoyer les messages sur MQTT, et MQTT, donc ça permet c'est un truc de file d'attente, et qui devrait pouvoir renvoyer sur le Raspberry Pi qui pilote la LED. Voilà. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. En tout cas, c'est ce que je souhaiterais faire. Ouais, j'ai dû me gratter là. Un peu fort. Je passe un petit coup de tondeuse tout à l'heure aussi, c'est peut-être ça aussi. Pas bien grave. Alors pour ça, pour pouvoir commencer à faire ça, eh ben ce que je vais faire, et pour les courses sur Ethereum, ça se met à clignoter au rouge quand il y a encore un marketplace où des types se barrent en courant avec les euros. Ouais, 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 on va presque faire ça. Hop, je vais mettre ça. Comme ça, pourquoi est-ce que tu veux pas? Pourquoi est-ce que tu veux pas faire de picture in picture? Peut-être parce que... Ah, il ne veut pas faire de picture in picture. Je ne sais pas ce que j'ai merdé. Vous n'allez pas me voir. On va lancer le Raspberry Pi Major. Voilà, Raspberry Pi Major. Je suis désolé, là, vous avez pas... Cette fois, vous voyez mon partage d'écran, mais vous ne me voyez pas moi. Bonsoir, bonsoir Curti. Alors, pour le choix du système d'exploitation, donc là, on va installer, en fait, ce qu'on va faire. Là, en fait, c'est qu'on va installer... on va se mettre comme ça, on va se mettre comme ça. Oui, j'ai débranché le truc, j'ai tout cassé les réglages. Ouais, c'est pour ça. On va installer, on va mettre à jour le firmware qu'il y a dans le Raspberry Pi sur une version bêta.
qui contient justement ce truc de Network Installer. Donc c'est ça qu'on va faire. Mais pour ça, j'aurais besoin de moi de bouger pour les brancher mon lecteur de carte micro SD sur le Mac. C'est rigolo que c'est une news tombe cette semaine. Je bossais sur un thème similaire il y a quelques jours. Attends, ça charge. Pourquoi c'est long chargé? Ouais, ça a l'air pas mal. Enfin voilà, en tout cas, c'est des idées. Mais c'est des idées qui sont plus que dans l'air, du coup. Donc ce que je vais faire, c'est que quand on va dans la dernière version de Raspberry Pi Major, il faut bien prendre la dernière version. Quand on prend la toute dernière version, je vais parce que moi j'avais fait des trucs. Voilà, on arrive sur ce menu là et on peut effectivement préparer une carte micro SD avec Raspberry Pi OS Bullseye dessus. On peut installer d'autres versions. Bon, ok, tout ça c'est bien gentil. Mais moi ce qui va m'intéresser, c'est que là en bas j'ai Misc Utility Images, donc c'est des images. Supplémentaire. Donc si jamais je prends ça, j'ai le test beta test bootloader qui est explicitement ce que je veux faire si je choisis là, parce que j'ai le network boot. Je pense que c'est ça qu'il faut que je choisisse. Voilà, système d'exploitation network boot. Alors maintenant il faut que je prenne la carte micro SD que j'ai dans le Raspberry Pi pour aller le flasher, pour le mettre à jour, et c'est là où je vais avoir besoin de vous abandonner un instant. Donc je montre que je mets quand même dans la carte micro SD dans le lecteur, et je vais brancher le lecteur à l'arrière de l'ordi. Sans marcher sur le chien. Hop. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il va me proposer? Je pense que c'est celle-là. Hop, je vérifie quand même avant. C'est ça. Écoute, c'est ça, c'est celui-là. Et puis je fais écrire. Donc oui, on y va, on est parti. Bon, il me demande mon mot de passe. Normalement, il n'y en a pas pour très très longtemps. Alors, il n'y a plus besoin de faire CTRL-SHIFT-X, Bandit, maintenant. Maintenant, t'as... normalement, il n'y a plus besoin. Et ça, c'est pas mal. Ok, il fait sa vérification. Alors, pour le moment, on fait un truc qui est tout à fait normal. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. Et maintenant, je peux récupérer ma carte micro SD. Voilà, j'ai récupéré la carte micro SD, je la fous dans le Raspberry Pi. Et on va updater le firmware dans sa dernière version. Et où est-ce que j'ai foutu la carte? Ok, j'ai fait glisser la carte micro SD entre le Raspberry Pi, entre la carte du Raspberry Pi et son boîtier. Et en plus, celui-là, je l'ai vissé, donc... Attends, hop. Alors, je crois que pour accéder au réseau, là, justement, c'est dans le firmware qui va le faire. Parce que là, je vais flasher le firmware, Cyril. Mais ouais, je l'ai glissé entre le... Mais quel crétin! Voilà. Voilà. On va y arriver. Désolé si je vous ai explosé les oreilles, j'ai pas pensé que le micro pouvait... Alors, hop. On va brancher ça là, on va rebrancher une prise réseau. Hop là, et on va brancher la lime qui est ici, on va la brancher. Je vais mettre en multi-view moi pour voir, je sais si la caméra 6 ou caméra 7 sur laquelle il est branché. Alors. Ça clignote, je sais pas, je suppose qu'il est en train de le faire. Et je crois que quand il est bon, l'écran est tout vert.
Je vais les flasher, on va voir. Hein. Si c'est pas ça, je vais vite avoir des infos. La grosse différence, c'est que je parle d'un système plus ou moins quelconque déjà installé. Il y a toujours quand même le bootstrap. Voilà. Je suis pas le seul à qui ça arrive. Ah non, non, mais faut pas croire. Hein. Faut pas croire. Hein. Moi, il m'arrive plein de trucs dans ce genre-là aussi. Hein. Salut Carso, j'espère que tu vas bien, Carso. Je suis pas complotiste, mais c'est sûrement la NSA qui t'a mis l'idée de la tête à travers le Bluetooth du vaccin. Ouais, je pensais plutôt que c'est le niveau 5G. Je suis un petit peu déçu si je récupère le Bluetooth au lieu de récupérer la 5G. Là, je vais être un peu déçu. Et devoir me lever du canapé pour éteindre, rallumer certaines étapes. Oui, ça. Ben dis donc, ça doit pas. J'ai pas dû brancher comme il faut sur le bon écran ou il y a un truc qui a pas dû bien se passer là. Alors attends, hop, je vais aller voir. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah mais c'est con parce que je l'avais sur mon Raspberry Pi 4 Network Boot. Je sais, vous voyez pas ce que je tape. Non, pareil, Network Boot, Network Install. Voilà. Alors, ce que je peux faire, c'est vous mettre ça là. Et moi, je vais me mettre comme ça. Alors. Voilà l'explication. Je suis désolé, vous voyez pas le chat hein, là, mais. Alors, pour l'installer. Hop. On teste bootloader. Ah non, j'aurais dû faire SD card boot. C'est pour ça que ça marche pas. Ok, c'est moi qui ai fait des trucs débiles. On va recommencer là, c'est SD card boot. Voilà. Et puis je vais remettre la carte. Voilà, choisissez le stockage, hop, c'est celui-là, écrire, oui. Et comme d'habitude, il me demande mon mot de passe parce qu'il fait une opération en tant que route. Enfin, je regarde vos messages en attendant. Si c'est du Bluetooth, imagine les applications infinies, je pourrais automatiquement déverrouiller ma porte et allumer les lumières quand ma Mac s'approche. Ça, c'est pas faux, ça pourrait être sympa. Mais disons qu'en termes de vitesse de débit, c'est moins bon, quoi. Fait la vérification. Voilà. Hop, continuer. Faut que je fasse un truc pour ça. Je vais essayer cette fois de pas glisser. Là, il est là devant moi, je vais essayer de ne pas le glisser. Voilà. Et en faisant gaffe, ça marche en fait. Voilà, on va remettre l'alimentation. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Parce que je crois que dans la doc, ils disent que ça clignote, l'écran clignote en vert quand c'est fini. Je regarde la doc. C'est pas ça. Instructions. Je suis en train de lire, hein.
Je suis en train de lire, mais j'avais lu tout à l'heure. Parce que là, pour le moment, c'est un peu long. Operating system, ok. Firmware. Normalement, c'est censé être bon. Donc du coup, si je le débranche, je sais que vous ne voyez pas. J'enlève la clé micro USB, si je rebranche. Oula, je fais une boulette là. Hop. Ah! Là. Voilà ce que j'ai sur ma sortie. Et si je mets la carte micro SD dedans, qu'est-ce qu'il dit? Ah ben non, du coup il va. Bah oui, il faut que j'en fasse une qui soit vide. Donc je l'enlève. Bah faut que je la remette à nouveau pour la revider maintenant. J'ai cette fois depuis le Mac essayé de la vider. Hop là. Un outil qui s'appelle utilitaire de disque. Et qu'est-ce qui se passe si ma carte qui s'appelle noname, c'est pas celle-là. Ah, il veut pas faire ce que je veux. Il veut pas faire ce que je veux. Alors. Alors. Il est cassé. Ouais, il a besoin d'une micro SD vierge. Là, je voudrais mettre une micro SD vierge. En fait, c'est ça que je cherche à faire. Sudo moins s, je sais, vous voyez pas, mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc violent. Je vais faire un dd if égale slash dev slash 0 of égale slash dev slash r disk 7 bs égale 1024K. Et on va laisser tourner ça un petit instant. Ah oui. Faut que je démonte. Non, faut pas que je me plante de disque comme tu dis. Disque utile. Unmount disque 7S1. Voilà. Extrait de la main page, DD, convert and copy, tout à fait, là, j'adore ce fait, cette commande-là, convert and copy, qui fasse DD au lieu de faire CC, parce que CC, eh ben, c'était la commande, je vais pas tout copier, mais voilà, c'était la commande C-Compiler.
Ça me fait sûr que tu entends des petits pop-pop. Ah, je sais pas, peut-être... Il y a des petits pop-pop. C'est-à-dire des petits pop-pop. Ça sature ? Ah, genre notif. Ouais, c'est peut-être mon Windows qui casse pied. Si je coupe le son, là vous aurez plus de notif. Tenter son système est notif Discord. Bon, Discord normalement est pas. Et je remets le son. Normalement Discord n'est pas. Attendez, je vais vérifier ça. Alors là c'est l'autre souris. Mélangeur de volume. Ah ouais, mais c'est parce que je passe par voice meter. Normalement, il n'y a pas grand chose qui passe par là. Mais. Bah pour ce soir, ça va être comme ça. Voilà. Bonsoir, Alexia. Où est-ce que j'ai posé ma carte micro SD? Elle est là. On va voir si ça marche. Alors, je vais déjà revenir là. Hop. Je la branche. Je branche le Raspberry Pi. Et qu'est-ce qu'il va nous dire, le Raspberry Pi? J'espère que je ne me suis pas trompé d'entrée, là. Non, c'est bon. Ok. Il faut faire un truc pour que... pour avoir l'outil. Ça n'a pas l'air de... Allez, moi je vais mettre un clavier quand même, faut qu'il y ait un clavier, voilà, et un clavier. Ah ben voilà. Press Hold and Shift Shift. J'appuie. Space to confirm and start install. Qu'est-ce que j'ai pas d'autre. On va faire espace. Insert an Ethernet cable. Vérifier qu'il est bien mis. Voilà. Effectivement, il est bien en train d'installer un truc. Ouais, c'est le QR code du pass sanitaire. Ah ouais, alors s'il télécharge à 3 kilobits par seconde, ça va être un petit peu lent à mon avis, quoi. À 1 kilobit par seconde, ah bah ouais, c'est... Échappe to console et go to diagnostic screen. Je vais le relancer. Je vais le relancer. Voilà. On va appuyer sur Shift. Voilà. Space. Ah, ça va un petit peu plus vite. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais 30 kilobits par seconde. Ouais, 30 kilobits, ouais, 22 mégas. Il va pas très très vite quand même. Hein. 'Soit il est très chargé le serveur, soit il y a un truc chaud. Je vais le laisser tourner. Je sais pas, ouais, s'il y a un problème de peering ou quoi, mais effectivement, c'est un petit peu long. Mais bon, vous avez vu, j'ai pu le lancer. Alors, attendez, je vais faire un... Attendez, je vais désactiver les overlays un instant. Hop, vous avez plus les overlays, vous avez l'image normale. Puis là, du coup, en plus, vous devriez pouvoir m'avoir en haut à droite. Du coup. Et là voilà, l'installation. Donc là, l'installation, on a démarré le Raspberry Pi, récapitulatif, on a démarré le Raspberry Pi avec une carte micro SD qui était vide dedans. La carte était vierge.
C'est ça l'idée de ce qu'on a fait. On peut avoir le son du modem 56. Je t'attendais pour que tu le chantes. Mise à jour de Virtual Studio hier soir. 7 gigas, heureusement que c'était pas à 35 kilobits par seconde. Alors, ce que je suis en train de me dire, c'est que là, il n'y a pas d'OS. Hein. Dans le système, là, pour le moment, il n'y a pas de système d'exploitation installé. Donc, c'est uniquement le firmware qui fait ça. Et je pense que du coup, il doit être un petit peu limité sur certains points en termes de vitesse, un truc comme ça. C'est giga la mise à jour, c'est quand même ouf. Même chez Free, on charge YouTube plus vite que ça. Il y avoir un commande point d'exclamation 56K quand la, quand la démonstration en RAM en live. Point d'exclamation 56K, c'est, j'y pense depuis un petit moment. À la base, je voulais faire le bruit du modem basé sur des points de chaîne. Mais bon, après, on pourra faire ça sur ça, par exemple, sur le modem 56K. C'est tout à fait envisageable. J'ai pas regardé les adresses envoyées par host FW download. Je vais regarder ça. D'ailleurs, je peux vous montrer ça. Là, il n'y a pas de. Ça peut être rigolo que je vous montre ça. Hop. Ah ouais, il y en a quelques-unes. Ah, puis si ça se trouve, on est connecté en IPv6, c'est possible aussi. lb.raspberrypi.com. Le LB stand for en général load balancer. C'est le load balancer. Elle va vivre combien de temps la micro SD? Je sais pas, en plus celle-là elle est là depuis un moment donc. Ah, puis j'en ai cassé une, j'étais dégoûté. Celle que je vous ai montré, le Raspberry Pi que je vous ai montré mercredi. En remettant le Raspberry Pi dans sa boîte, j'ai cassé la micro SD parce que j'ai oublié de l'enlever et j'ai cassé en deux. C'est pas un mythe, la SD d'un Raspberry Pi qui lâche? Ah non, clairement pas. J'en ai eu tout plein, tout plein. D'ailleurs, faut que je refasse une wishlist Amazon parce qu'il me manque des câbles micro USB, des cartes, des câbles micro USB, micro USB, des USB-C et puis des cartes micro SD. Faut que je remette dessus. Ouais, fais attention à Morpheus, vraiment fais attention. Celle qui a explosé, celle qui s'est glissée sous le boîtier. Ouais, non mais c'est il y a plein de situations où ça marche, oui. Bon, on est à 8 mégas sur 22, on a quand même fait un tiers. Donc ça avance quand même, ça avance quand même. SD Card Protection Agency. Je regrette qu'il n'y ait plus le padaboum, mais vraiment, vraiment je regrette. pour toi, Cyril. J'ai eu un participant à ma formation la semaine dernière, il s'excusait de faire des blagues de ce style-là, je lui dis « Ah non, mais t'inquiète pas, faut pas t'excuser, j'ai l'habitude et j'apprécie. » Voilà. Bon, ben voilà, il est en train de s'installer et je pense qu'on va avoir un... Alors, je sais pas ce qu'on va avoir, parce que là, il récupère boot.img, je sais pas ce qu'on va avoir derrière. Et donc, en fait, cet outil d'installation, ça me fait penser à... Et il est parti pour le meilleur. En plus, il était très intéressant, lui. C'est un petit peu la méthode qui était utilisée sur les macOS. Ça, c'est vachement bien sur les macOS. Hein. Tu changes de disque dur, tu t'embêtes pas. Net install et c'est parti. Il a habitude sur Twitch et du coup, il a pas arrêté d'appeler son stagiaire. Manon ou Cyril. Yuki Misake, c'est une sorte de PXE, mais via Internet, c'est plus que ça en fait. Ouais, si tu veux, c'est ça. L'idée, c'est une espèce de PXE, mais qui en plus... C'est pas juste un boot, parce que normalement il va chercher un installeur. En fait, je récapitule ce que j'ai fait. Ici, ce qu'il va faire, c'est que il est en train de récupérer un. J'ai mis la version bêta du firmware dedans. Voilà. Ça a été la première chose. Mais maintenant, il n'y a pas forcément besoin. Dans les futurs, quand ça sera plus en bêta. J'ai mis une carte micro SD vierge dedans et je l'ai branché sur un câble réseau. Et en fait, en la branchant sur un câble réseau, il va, d'après ce que j'ai compris, installer Raspberry Pi OS sur la carte micro SD. Donc c'est pas juste un boot puisqu'il va installer Raspberry Pi OS dessus. Alors HPNINS, normalement non, tu as le choix suivant l'option que tu fais,
soit t'installes la version que tu avais eue avec le Raspberry, le Mac, pardon, pour macOS, avec la combinaison de touches, tu démarres sur le réseau, soit t'installes la version que tu avais, que tu as eue avec le Mac, donc une vieille version de macOS, soit la dernière version disponible pour ton Mac. Les deux sont possibles. Le spoiler de la chaîne qui va exploser dans l'improbable catégorie à rire et Linuxon. T'as moyen de sniffer ton réseau pour voir si ça cause... Alors là, non. Avec la conf que j'ai faite, non, je n'ai pas moyen de regarder si c'est en V4 ou V6. Je peux vraiment pas dire. Ah, et après, la dernière fois que j'ai fait ça, j'avais pas le choix, c'était en 10.8, mi-2012. Moi, j'ai fait des trucs plus récents, et... ouais, et j'ai même fait avec une version avec un Mac qui buguait quand on faisait ça, et qui briquait le Mac, et il fallait réutiliser un outil pour le débriquer. Mais non, non, c'était pas mal foutu. Alors, attendez, hop, je vais regarder ce que nous a envoyé. Ah. Bon. J'ai pas eu le son de ce que t'as envoyé, McCall. 14 mégas sur 22 mégas, ça avance, ça avance. Et Tokyo est toujours incroyablement sage. Alors si ça marche, franchement, je trouve que c'est une super, super idée. Le problème pour l'instant, c'est que ça marche avec du réseau câble, en Ethernet. Ça marche pas en Wi-Fi. Ce qui peut quelque part se comprendre. Hein. En firmware, configurer le Wi-Fi, ça peut être un petit peu complexe par moment, donc ça peut se comprendre. Bon, voilà, ça avance. Hein. Je vais pas faire cancel, mais j'ai peur que ce soit la première image qui download, hein, qu'après il en download d'autres. Ah non, mais Carso, c'est si rapide, c'est décoiffant, c'est... En plus, la vitesse, elle diminue quand on dit ça. C'est mieux que rien. Ça ira plus vite que la publication. Ça ira toujours plus vite que la publication des sources de ce putain de firmware. Ouais, mais je pense pas que les serveurs soient pris d'assaut. C'est soit moi j'ai une couille dans le potage là dans ma configuration, soit c'est le fait que ce soit via le firmware qu'ils font l'upgrade, enfin qu'ils font le téléchargement, et que ils utilisent, si ça se trouve, ils utilisent. Enfin, je sais pas ce qu'ils utilisent. Le processeur est pas très chaud. Ah, le lien marche, mais celui répété par Marvin ne marche pas. Ah oui, mais j'ai fait celui répété par Marvin. Ah ouais, ok. Je me suis explosé les oreilles, effectivement. Raspberry Pi, une synchro en 10 mégas, duplex. J'ai pas le switch sous les yeux, puis c'est pas un switch manager, donc c'est vraiment un switch basique, donc je sais pas. Et le CPU doit être dans un mode de fonctionnement minimal. Ouais, en fait, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui est activé sur la carte mère, et ça doit avoir un impact justement là-dessus. Je suis pas allé regarder ce qu'il disait ça dans les forums. Raspberry Pi 4 Network Install Speed. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en parle ? Non. Non, c'est tout ce Network Speed, mais c'est pas ça. Forum peut-être, ou post, attends, je recherche. Qui est-ce qui vient de suivre? Eh ben c'est Caillux. Bienvenue à toi, Caillux. Caillux 0412, bienvenue à toi. À ma connaissance, on a GitHub Raspberry Pi Firmware qui est un putain de dump des binaires pour le noyau, des DTB, des DTBO, des firmware, et c'est tout. Ouais, mais je suis pas du tout sûr que ce soit.
ils sont en open source. Je serais pas. Ah, c'est fini. Une erreur has occurred. Oh non. Oh non, c'est une blague. C'est la carte qui est HS ou quoi? J'enlève la carte. Je la remets. Je vais redémarrer, voir ce qu'il va nous dire. Il transcrit super bien les étoiles en bon mot. Je demande si ça ferait pareil avec les mots de passe. Chut, faut pas le dire. Et merci beaucoup Julien pour le follow. Julien, merci énormément. J'espère que tu vas bien d'ailleurs. Merci pour ton pour le follow pour le subprime. Certain Ethernet cable. C'est bêta hein, donc voilà. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là, il y a eu un problème? Il y a un problème parce qu'on a dépassé les 100 kilobits par seconde. J'attends MP pour le mot de passe. J'ai eu un problème identique, ça venait de la SD. Ouais, mais c'est de micro SD, possible. Je crois que c'est pire que d'essayer de commander un billet de train sur une borne de la SNCF. Mais vous avez vu la vitesse à laquelle ça va là? Il y a autre chose qui se passe, hein. Ouais, j'ai l'impression que je sais pas si c'est des kilo-octets ou des kilobits par seconde. Je pense que c'est des kilo-octets par seconde parce que c'est 22 mégas. Mais si ça se trouve, là, il est en train de voir qu'il a déjà chargé des trucs, je sais pas. J'ai juste enlevé le frein à main. J'ai rebooté, hein. Starting installer. Ouh. Suspense. J'ai un curseur qui. Vous voyez, je sais pas si vous voyez le curseur qui clignote en haut à gauche. Hey. Et donc voilà, voilà dans quoi on démarre. J'ai mon petit. c'est ça le clavier. Hein. C'est le clavier que j'utilise d'habitude pour le pour l'aquarium. Alors la souris elle fonctionne. Il a retiré le pied qui était dans le câble réseau entre le Raspberry Pi 0 et la box. C'est un Raspberry Pi 4 hein, en plus. Hein. La base du dépannage. Vous avez redémarré, monsieur? Tokyo a peut-être bougé la patte et hop. Mais Tokyo, il est même loin du truc. Donc hop, on va faire Choose OS. Et bon, on va installer quoi? On va installer un Raspberry Pi OS. On va installer 64 bits, hein, tant qu'à faire. Desktop ou pas desktop? Non, pas desktop. Non! Par contre, j'appuie sur les boutons sans faire gaffe. Voilà, hop. Hop. Choose storage. Ouais, disposition du clavier, t'as raison. Langage. Et on a le français. Mais on va éviter le slovène. On va mettre là comme ça. Français. Keyboard. J'utilise les flèches hein, parce que sinon je vais galérer. Parce qu'en fait c'est un trackpad que j'ai et je pense que quand je le bouge, je le clique sans le faire exprès. Il est un peu sensible de ce côté-là. FR. Voilà. Choisissez le stockage. Hop. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il y a même le menu ici pour que je puisse... Alors je vais pas mettre de Wi-Fi. Hein. Mais ça c'est le fameux menu CTRL-SHIFT-X qui était là avant. Et maintenant, il est en standard, hein, il y a la petite roue crantée qui est là. Petit rappel, pour ceux qui viennent d'arriver, t'évites le Sloven, t'es pas bon, t'es pas joueur, on tente le Dvorak. Pour la petite histoire, une fois, c'était extrêmement drôle, mon père installe Linux pour une des premières fois, enfin, au début où il installait Linux, et dans l'installation, il choisit la langue, et il fait pas gaffe, au lieu de faire FR latin 9, à l'époque on était en latin 9, au lieu de faire FR latin 9, il a fait la ligne d'au-dessus qui était FI latin 9.
Et après, il m'avait dit, je comprends rien, mon Linux. Alors déjà que j'ai du mal, mais alors là, je comprends vraiment rien du tout, quoi. Bonsoir, Noivotin, comment vas-tu? Donc là, voilà, on va le laisser tel quel. Hein. Hop, et puis on va lancer l'installation. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai démarré sur un Raspberry Pi avec une carte micro SD sur le Raspberry Pi vierge. Ouais, je vais continuer. Vas-y. Et là, en fait, on a la possibilité, donc du coup avec un clavier et puis une souris, d'installer un Raspberry Pi avec une carte micro SD vierge et un câble réseau. Voilà. Et l'écriture va assez vite. Parce que là, je pense que là, il va un peu plus vite. Là, il a un OS de chargé. Je pense qu'il a un noyau de chargé, etc. J'aurais bien aimé avoir ici, pouvoir le faire en ligne de commande. Ouais, sans souris. J'aurais bien aimé. Maintenant, je pense que c'est pas le public visé. Hein. Le public visé, c'est très clairement les gens qui n'ont pas d'autre ordi à la maison. Je pense que c'est ça le public visé. Je reviens pas comme Tokyo OSH. T'étais pas allé en Finlande justement, Julien? Toi? Ça me dit vaguement. Oui, voilà, il me semblait bien. Il me semblait bien. Oh bah oui, oh bah dis donc, tu venais de faire un cauchemar, c'est ça? Il vient de s'étirer un coup. Je viens de regarder 2,5 leçons en vidéo YouTube de langage assembleur sur ZX81. Après 40 ans, il était temps que j'essaye, surtout que j'ai deux ou trois bouquins. Plein de poussière retrouvée hier, bah ça vaut le coup. Voyage initiatique. Pas d'autre ordi, mais Internet est du RJ45. Oui, je sais. Pour le moment, voilà. Sudo password for Kibi. Route à Tokyo. Ah ouais, pas mal celle-là. Pas mal. Au pays de Linus. Il se ressemble à quoi Tokyo? Tokyo pour le moment c'est un husky, il est là, il est sage. À côté de moi, ce qui est rare. Je vais essayer de vous le montrer sans tout casser pendant que ça installe. Non, je peux pas remonter plus les câbles. Ski tout sage. Pour le moment, c'est un ski. Oui, non, c'est un ski. Enfin, pour le moment, c'est un ski. J'espère que tu vas bien, Capin Malin. Là où tu as déjà déménagé, où beaucoup de choses sont en boîte. Alors il y a encore beaucoup de choses qui sont en boîte. Oui, je suis là où j'ai déménagé. J'ai encore beaucoup de bordel dans des cartons. Hein. Faut le temps de développer tout le biniou. Il y a peut-être des limitations techniques qu'un prochain modèle de Raspberry Pi viendra lever. Ouais, non mais il y a. C'est une première version, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, déjà, je trouve que c'est une super idée. Ça marche plutôt bien. On a eu un petit raté quand même, c'est en bêta. Mais là pour le moment, je trouve ça super propre. En plus, l'image, vous voyez, je la trouve hyper clean, quoi. Okay, c'est un poil plus gros que Punk, dis donc. Ouais. Et alors Punk est pas hyper hyper fan de Tokyo. Hein. Hier elle a carrément grogné. Alors Tokyo, il est tout fatigué parce qu'il s'est fait disputer tout à l'heure et ça l'a calmé. Il s'est fait discuter parce que il arrêtait pas de nous sauter dessus, d'essayer d'attraper nous. Il a pas le droit de nous mordre, donc il attrape juste pour pouvoir tirer comme ça pour jouer. Je viens de recevoir un email, je suis lol. You have been hacked. Read this message. J'ai même un numéro pour envoyer 1 000 $ en Bitcoin. Des fois que ça marche, hein.
Bien sûr qu'il a un Instagram, Carso, tu crois quoi? Alors, ce n'est pas mon chien, c'est le chien de Lula Luxi. Ça serait cool aussi d'avoir la possibilité d'installer plusieurs OS en multi-boot. Je suis assez d'accord. Peut-être que ça viendra. Alors là, on en est à la vérification. Donc l'installation a été faite. Il vérifie que la carte micro SD n'est pas morte. La lecture, la carte micro SD, ça va. C'est à l'écriture qu'elle souffre. Ah non, j'essaie d'enlever un cheveu qu'il y a sur l'écran, mais pas du tout un cheveu. C'est le trait que vous voyez là qui est la pente du toit. Allez, on a quasiment fini d'installer un Raspberry Pi. Bon, vu le prix des micro SD, je trouve pas que ce soit prioritaire le multi-boot. C'est plus fonctionnel. Alors là, ça redémarre. Et là, vous l'avez en direct, hein. Je veux dire, vous l'avez en direct. Tadam, suspense. Ouais, il y a Noob qui permet le multisystème. Resize. Ouais, bah oui, c'est bien parti. Hein. Ça, franchement, c'est bien parti. Il a redimensionné la carte micro SD. Je l'ai installé sans l'interface graphique. Hein. C'est marrant parce qu'avec le lag, sur l'écran qui est là, je vois le multicolore. Il s'éteint. Je vois s'afficher là. Il s'éteint. C'est rigolo. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ça s'est plutôt pas mal passé. Bonsoir, ça joue avec le Raspberry Pi, j'ai remis le mien en route il y a quelques mois avec un Argon One et un SSD. Ce qu'on a fait Frédéric, c'est que là on l'a installé avec la bêta du firmware, qui fait quoi en fait ce que ça fait c'est que j'ai mis une carte micro SD vierge dans le Raspberry Pi et je l'ai démarré, sans avoir à préparer la carte micro SD. Voilà. C'est ça qu'on a fait. Je pense qu'on est en train de faire de finir ces éléments, mais là c'est. On a quasiment. Voilà, je suis connecté. Par Raspberry, le mot de passe par défaut. Bon, moi j'y vais, je regarderai le reste demain, car ça m'intéresse beaucoup. Je bosse beaucoup sur un Raspberry pour mon apprentissage. Bonne soirée tout le monde, bonne soirée à toi, Bandy. Alors, on va passer à un autre sujet là après. Mais oui, regarde, ça va être intéressant quand même. Tu as raison, je suis pas sûr que ce soit. Oui, les prochains qui sortiront comme ça en usine. D'usine. Normalement, je l'ai installé, j'avais bien mis le FR. Ah ouais, t'as raison, il l'a mis en QWERTY. Ah ouais, je cherche pas, c'est ça. Voilà. Voilà. Je suis en train de lancer un truc, pof. Alors, je vais faire un petit truc. Quelle adresse IP il a ? Il est en .58. Très bien. Je vais revenir. Comme ça, hop. Et je vais remettre. Ah merde, c'est pas celle-là que je vais mettre. Ça. Hop, hop. Ah, j'ai cassé mes. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais je l'ai pas fait sur le bon. C'est pour ça que ça marchait pas comme je voulais. Si je fais ça. Et voilà, c'est un petit peu la couleur un peu différente. Hein. Et voilà. Le fichier, je sais pas quoi, est en EEPROM sur le P4. C'est ce qui permet de l'astuce. Ouais, c'est le boot. Non, ça fonctionne que sur le Raspberry Pi 4, Frédéric. C'est que pour le P4. Voilà, c'était l'occasion d'essayer ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que. On va faire ça comme ça. Hop.
Et ici, je vais me connecter dessus. SSH, bah c'est ça. Mais je pense qu'il va pas être content. Ah merde, j'ai oublié d'activer. Ouais, j'ai oublié d'activer le sudo -s. J'ai oublié d'activer le SSH. Merde. Ah oui, en plus. Alors, on va faire un autre truc, hein. On va faire un raspi config. Vous voyez peut-être pas très bien, mais je vais le mettre en français. Sudo devant. Alors, système, c'est là-dedans où on a le network at boot. Ok. Yes, network at boot. Display options, c'est dans les displays le. Non, c'est pas dans les displays. Interface, SSH, yes, localisation, voilà, local je m'en fous un peu, time zone on peut mettre la française, Europe, Paris, vous remarquerez que j'ai pas mis la Slovénie, hein. Et keyboard. La pire version de toutes, ça chauffe, ventil obligatoire. Non, mais ça, normalement, si tu as mis à jour le firmware, car ça chauffe beaucoup, beaucoup moins. Hein. Aucun souci de chauffe pour ma part, il est dans un Argon One avec une pâte thermique. Il faut un petit ventilateur, mais normalement, ça fonctionne bien. Générique. Ouais, c'est un générique, mais c'est pas en English, c'est en FR. C'est le classique, hein. Je suis pas, mais moi c'est un clavier. French, oui, ici voilà. French, on va mettre le French là. Hop, hop, hop. Je pense que là il va me proposer de redémarrer. Ah non. Et du coup, est-ce que je peux me connecter en SSH? Eh oui. Eh oui, je peux me connecter en SSH. Alors là, je regarde vos messages. Bonsoir Marafleux, ça devrait être possible de faire un net install sur un Raspberry Pi, toutefois faut une multi nip. Ce qu'on vient de faire. Hein. Enfin, c'est ce qu'on vient de faire avec le nouveau firmware et leur outil à eux. C'est typiquement ce qu'on vient de faire. J'attends une version Raspberry Pi 4B+, perso ou les CM4. Est-ce que ça chauffe autant que les CM4? CM3, je suppose ce que tu veux dire. Après, je pense que la nouvelle version du Raspberry Pi 4B+, ou un autre nom, chauffera tout autant. C'est avec la montée des fréquences, c'est ça va direct. Hein. Ah, Raspberry Pi 2, alors par contre, c'est plus compliqué Raspberry Pi 2. Le Raspberry Pi 2, il doit pouvoir booter sur le réseau. Avec un bout de PXE, puis à partir de là, tu dois pouvoir faire des choses. Les gens, si vous voulez que votre piquette chauffe pas, que vous avez un peu d'argent, un Argon One et une bonne pâte thermique qui sait le feu. Ou un petit radiateur aussi, c'est pas mal. Moi, ça lui met H24 et ventilo de cette taille, ça peut l'air très quali de tenir bien dans le temps. Alors, moi, j'ai un truc, Carso, je peux pas te le montrer parce qu'il est derrière, mais j'ai un boîtier. Je vais mettre comme ça. J'ai un boîtier entier qui fait radiateur. Tout le boîtier fait radiateur. C'est plutôt pas mal comme ça. Et il est passif. Je suis en train de réfléchir où est-ce qu'il est. J'en ai un deuxième, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il est dans un. Ouais, comme je suis. Non, je peux pas le. Je peux pas le. Mais bon, le Alan, la machine qui s'appelle Alan, elle est comme ça. J'ai aucun boîtier Raspberry Pi où je peux mettre un ventilo standard, genre un 120 mm. Oui. Alors, ce qu'on va essayer de faire,
un truc, qu'est-ce que je voulais essayer de faire? Oui. C'est que, bon voilà, je suis sur mon Raspberry Pi. Ok. On fait un petit update. Bonne soirée Frigeek, merci d'être passé. Là, normalement, j'aurais pouvoir faire ça. Voilà. APT. Upgrade. Allez, on fait une petite mise à jour. Un boîtier avec une allumette externe qui aurait fan en enable en permanence plus 5 volts pour Raspberry Pi, ça serait bien. Doit y en avoir, il n'y en a pas, il n'y en a pas déjà? Mais je dis, moi, j'ai vraiment un truc en passif. Et franchement, j'ai Alan qui est là. Alan, Marvin. Si tu parles à Marvin, Marvin, il tourne dessus. De mémoire, ça fonctionne. Hop. Non, je regardais mes notifs. Ok, donc ils ont un truc pour passer une carte SD vierge vers une carte avec l'OS dessus, mais est-ce qu'ils sont capables de faire l'inverse? Je comprends pas ta question. Celui de c'est une machine virtuelle là? Non, non, c'est pas une machine virtuelle. Et ici, ce que tu vois, c'est un Raspberry Pi physique qui est devant moi que j'ai installé. C'est vraiment une machine physique. Alors, bon, j'ai fait la mise à jour, je vais rebooter parce que. Parce que je reboote. Parce que là, ce que je voudrais vous montrer, je voudrais vous parler de NetData. Ah, on peut essayer un truc. Regarde, on peut essayer un truc. Noivoting. Regarde. Attends, je regarde ce que tu postes, Carso. Ah ouais, c'est le truc de. Ouais, c'est un truc. Mais pourquoi tu es sous Mac en fond? Ah, mais je suis sous Mac parce que je suis dans un Mac, mais là, je suis connecté par le réseau. Si tu veux que je me connecte en direct, je suis connecté ici, là, sur le Raspberry Pi. Mais. Le clavier que j'utilise n'est pas très pratique, c'est un clavier comme ça. C'est pour ça que je préfère être sur le Mac, parce que du coup, voilà, je peux effacer la page. Hop. Là je suis en local dessus. Et avec le Mac, ici, je suis connecté à distance en SSH dessus. C'est ça la différence. Et là, est-ce que tu saurais où je peux trouver un cours français pour les pseudo-terminaux PTY en C à la place des pipes? Je vois pas trop pourquoi la place des pipes. J'ai changé d'écran. Ouais, j'ai changé d'entrée. J'ai un switch. Je peux passer d'un écran à l'autre en faisant ça. Ouais, voilà, c'est histoire de petit clavier. Mon petit clavier, il est un peu limité. Alors, ce qu'on peut faire, regarde, Noivoting. Ici, si je regarde, slash dev slash root, ls-rel slash dev slash root. Merde. ls slash dev. Oh là, j'ai ls slash dev. Et là, je devrais avoir un. Où est-ce qu'il est mon stockage? Parce que je sais jamais les noms qu'il donne. Ah ben là. Ah voilà. Voilà le. Le stockage, je pense. Alors, si je fais mount, je devrais le voir. Ouais, ou LSBLK, pas bête. LSBLK peut me permettre de le voir. Voilà. MMC BLK0 qui me permet de voir l'état du truc. Je vais tout cramer. D'accord. TTY SolidSeb, c'est le. Normalement, c'est ce qui fait l'interface. Mon terminal là que tu vois à l'écran. En réalité, c'est un écran, un clavier, et il va émuler le fonctionnement d'un télétype. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, regarde ce que je vais faire, Noivoting, c'est que je vais tout cramer. Je vais retenter l'installation, on va voir si ça marche, hein, mais je vais tout cramer. DDIF égale slash dev slash 0. Oula, 0. OF égale slash dev slash MMC BLK 0. Block size égale 1 méga, voilà. Et en faisant ça,
normalement, je suis en train de cramer le système sur lequel j'ai démarré. Voilà. Là, j'y vais à la bourrin. Hein. Là, j'y vais à la bourrin. Sync, mais à mon avis, là, il est plus très très content parce que si jamais... Alors, on va revenir là. Hop. Si jamais je le redémarre. Donc là, je l'ai éteint, je le rallume. J'ai mis un dé en trop. Bah oui, je l'ai pas cramé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas vu ce que j'ai fait. J'ai dû... Ah, c'est pas le 0 que j'ai fait. Ah. Alors, attends, hop, on va revenir là. Hop, hop. Dédé. C'est pas bien grave. LS, slash dev. Peu importe, c'est pas très grave. Je vais recommencer. Dédé. IF égale slash dev slash. Alors déjà, je fais un LSB LK. Voilà. DD. Ok, je vois ce que j'ai fait. DD. IF égale slash dev slash 0. OF égale slash dev slash MMC. BLK0, voilà, j'ai fait tabulation pour le faire. BS égale 1M. Et là, je crame tout. Dans History, là, il l'a pas gardé dans historique. Hein. On peut mettre un lien pour la mini tour Raspberry Pi ou pas possible. Tu peux y aller, tu peux y aller. Oh, c'est pas la peine, le status. Hop. Et donc là, effectivement, c'est un petit peu plus long. J'aurais pu faire un RM-RF, CTRL-C. Ouais, c'est rien que j'aille jusqu'au bout. Hein. Mais là, normalement, j'ai cramé le système. J'ai cramé le système. Et hop, si on revient donc ici, je débranche, je rebranche. On va voir si ça va marcher. Eh oui, ça va marcher. Voilà, voilà dans quoi on boot. Donc là, je reprends mon petit clavier. Shift. Hop, espace. Et ça devrait fonctionner. Alors, Julien, ouais, je peux ajouter count égal. Je sais pas si c'est une table. Je sais pas les tables de partition, comment ça fonctionne sur le Raspberry Pi, parce que c'est pas du MBR, quoi. Donc là, je sais pas du tout. DD, ça veut dire 10 delete. Non, DD, ça veut dire convert and copy. En fait, c'est un truc qui va prendre les blocs que tu mets en entrée et qui va les copier sur les blocs en sortie. Il va prendre un bloc en entrée, il va le copier en sortie. Puis il va prendre le deuxième bloc en entrée, puis il va le mettre en sortie. C'est pas du MBR. Je sais pas du tout comment ça boot un Raspberry Pi en fait. J'ai effacé le stockage pour montrer comment est-ce qu'on fait l'inverse. C'est-à-dire, là on a vu comment avec une carte micro SD vierge, on installe Raspberry Pi dessus, et il faudrait faire l'inverse. Voilà, donc je fais l'inverse. C'est une démo, hein, c'est une démo. Bon là par contre il est... Je vais faire échappe et je vais relancer. Shift, space, bien branché mon réseau, ouais mon réseau est bien branché. Ah on est reparti à 1 kilobit par 1 kilooctet par seconde. Non normalement Julien en GPT c'est pas pareil parce qu'en GPT normalement à la fin de du disque il y a une sauvegarde. Je vais annuler parce que là il est un petit peu long celui-là. Je pense que ça dépend sur leur serveur sur lequel on tombe. Bon, j'ai un peu fait le con parce que je voulais vous montrer un truc là-dessus, mais pas de soucis, Frédéric. Merci d'être passé en tout cas. DD, c'est convert and copy Maraflush en fait. Ouais, mais à 3 kilooctets secondes, tout ça, on était à 150, donc... Je vais retenter.
Je retente, je retente. Voilà. Il faut tomber sur le bon serveur. Il y a des serveurs qui vont pas vite, mais alors il y en a qui vont nettement plus vite. Parce que là, voilà, ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir. Voilà, parce que ce que je vais vous montrer tout de suite après, ça va effectivement être NetData. Et du coup, NetData, je vais l'installer sur le Raspberry Pi là, que je suis en train d'installer. Je regarde, j'ai 1 milliard de notifs sur Twitch. Ah bah cool, il y a même le mec qui fait NetData qui justement a vu passer le tweet. C'est gentil d'avoir montré qu'on pouvait détruire, supprimer des données avec DD, mais du coup tu vas un peu perdre du temps à réinstaller. Oui, mais bon. Tant pis. J'ai envie de dire. C'est pas la mort non plus, quoi. C'est pas. Boot IMG, DOS MBR, boot sector. Hein, c'est pas mal. Sois pas désolé, Noivoting. Et on est là. Alors que ce soit clair pour ceux qui découvrent la chaîne, on est là également pour expérimenter. On essaye. On fait plein de choses, on fait plein d'essais. Des fois, c'est des petites explications différentes, mais dans plein de cas, on essaye. Alors là, on va démarrer. Normalement, on va redémarrer dans directement le Raspberry Pi Installer. Et voilà. Donc, eh bien, je vais prendre ma souris. Hop. Choose OS. Hop, donc on va prendre un 64 bits. On prend le 64 bits light. Voilà. Là en bas, on va se mettre en français. Oh, ça, je m'en fous un peu du coup là. Alors attendez, parce que je vais enlever. Parce que sinon, je vais pas voir le write. Bon, à la limite, là, en français, je m'en fous un peu. C'est là où je vais vouloir mettre. Où je vais mettre le SSH. Enable SSH. Voilà. Le mot de passe, je vais mettre un mot de passe pourri. Ça devrait le faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est pas là où on peut démarrer le. Merde. Il l'a pris. Enable SSH, ouais, si, c'est bon. Le SSH est démarré. On va faire save. Voilà. Choose storage. On n'a pas le choix. Hein. C'est la carte micro SD qui est dedans. Qu'on vient de cramer. Ok. Et on fait le write. Et normalement, ça devrait aller relativement vite. J'ai un download d'image classique toujours en cours pour vérifier, mais pour moi, je ne vois pas pourquoi ce serait autre chose que du MBR. Parce que je dois t'avouer que pour moi, ça a toujours été le démarrage. Ah pardon, faut que je lui dise yes. Mais par contre, ça c'est les ratés que vous voyez, c'est juste mon clavier, hein, la clavier souris qui est pas ça marche, hein, mais c'est pas ultra ultra pratique. Parce que tout simplement que je me suis pas demandé comment ça démarrait et je savais pas que j'avais recopié ce qui se faisait sur le PC, ouais, tout simplement. C'est pas mal fichu, mine de rien, cet installateur. Ouais, non, mais carrément, il est carrément bien. Alors, vous êtes pas déjà un petit curl, pipe XZ, pipe DD égale. Ça se tente aussi, je suis d'accord, ça se tente aussi. Bonsoir, Fido de Tour, j'espère que tu vas bien. Pareil, j'ai l'impression que c'est une partition toute simple. Bah, écoute, hein, ça sera à tester. Là, on va le laisser tourner, on va le laisser installer. Et je vais vous parler en deux mots de NetData, donc. J'espère que le load balancer ne m'a pas foutu sur un truc qui charge à 1K. Hein. Mini partition FAT pour Sage Boot, puis de la place pour la partie Linux. Oui, c'est vrai que c'est du FAT la partition boot. Par contre, c'est pas par contre méga plus lent que la version normale. Mais écoute, là, moi, elle est un petit peu lente. Je sais pas pourquoi. Tout à l'heure, ça allait super vite. Donc, cette partie-là, elle allait vite tout à l'heure. Hein, donc. Je pense qu'il y a une histoire de load balancer qui est un peu.
Ouais, c'est une bêta, pas oublier que c'est une bêta. Ça ira forcément plus vite avec le temps, etc. Écoutez, je vais la laisser tourner, hein, la bêta là. Je vais refaire les trois annulations, voir si je tombe sur un autre. Parce que là, franchement, jusqu'à demain, quoi. C'est ça, faut sortir le miroir pourri de la rotation. Ah voilà. Ouais, à mon avis, dans l'ensemble de serveurs qu'ils utilisaient, il y en a un ou deux qui sont pas en super super forme. Ça sent le shell bientôt, tout à fait, dans... Allez, je vais dire 2 minutes à peu près. C'est peut-être juste une blague de conf GUP. Remarque, j'ai pas regardé où est-ce qu'il me plaçait. Si ça se trouve, il me place en Russie. Non, je pense pas. Je pense pas. Ça serait rigolo. Alors, j'ai toujours pas fait ma configuration du réseau. Je vais le laisser tourner. Hein. J'ai toujours pas refait ma configuration réseau. Parce que ben, j'ai un peu été occupé à travailler quand même pour gagner des sous. Mais ça devrait arriver bientôt. Je pourrais bientôt rejouer avec mon routeur, faire ce que je vous ai dit. Et surtout réinstaller le serveur. Parce qu'avec le serveur, j'ai quelques idées. D'ailleurs, s'il y en a qui sont en région parisienne et qui ont la possibilité de trouver à un prix intéressant une baie ou une demi-baie, je suis preneur. Voilà, je cherche une baie ou une demi-baie pour pouvoir mettre ici dans le sous-sol pour stocker le serveur. Le serveur, puis en racheter un ou deux autres d'ailleurs à mettre avec. Bienvenue à Risk Trooper, bienvenue à toi. Donc voilà, si jamais vous voyez passer ça, n'hésitez pas à me dire. Je suis peut-être sur différentes solutions, mais c'est pas gagné. J'ai viré une baie il y a quelques mois. Tu la veux jaune, ta baie? Je veux, peu importe, m'en fous. M'en fous, je veux une baie. Mais Nils, tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, faudrait que je te contacte en privé. Enfin, que je te contacte en privé, j'ai un truc en tête, j'ai une petite idée en tête. Donc ouais, j'ai peut-être des pistes, hein, mais je demande quand même à tout hasard, parce que ça a l'air d'être pas tout de suite, tout de suite. Bonne nuit, Manon, bon courage à toi puis badaboum, pour ta blague. Bon courage pour demain. On pensera à toi, et puis encore une fois, joyeux anniversaire. Hein. Joyeux anniversaire encore une fois et bon courage pour demain. Ouais, ça doute bouté mais ah ouais, donc ouais, effectivement, c'est tout simple. Bonsoir Nounours. J'ai fait la même erreur que toi, j'ai dit à un pote que j'avais besoin d'une baie. Il m'a ramené une baie d'un DC, elle est si grosse. Bon, ça va, normalement j'ai de la place, hein, donc. Et bonsoir. Cyberdias Vivien, j'espère que tu vas bien. J'espère que c'est la forme. Et merci énormément pour ton Harisub. Vous êtes, alors je peux les remettre, hein, vous êtes 91 ce soir à être abonné. J'ai appuyé sur un bouton, j'ai cru que j'avais stoppé le stream, non? Ouais, demain formation sur la 5G. Ah, ça peut être pas mal ça. Professeur Renabi, quel modèle de Raspberry qui est le meilleur? Quand je regarde le Pi 400 Personal Computer Kit, ça parle de sortie vidéo 4K, dual display, etc. Bref, pas intéressant pour un usage serveur. Le 400, en fait, il est livré, il est dans la, dans le, sous la forme d'un clavier, en fait. Il est à l'intérieur du clavier. Donc, il est fait pour pouvoir être en interaction avec, et donc pour y connecter un écran, une souris, etc. Le Raspberry Pi 4, c'est le même matériel, c'est le même hardware qu'il y a pour le 400, à peu de choses près. Donc, du coup... C'est plus pour jouer avec comme ce qu'on fait nous. Si tu veux une baie avec des PDU, c'est gratuit, mais à Brest, ça fait un petit peu. Faut que je crois que ça fait quand même un petit peu loin de chez moi, Brest. Hein. Mettre 400, un bon dissipateur dedans. Ah bah on peut. Non mais on peut pas tout avoir les gars. On peut pas tout avoir. Hein. Donc là voilà, on l'a réinstallé.
est en train de redémarrer. Le Raspberry Pi 400, c'est un MO5 ou un Amstrad. Ou un C64 ou un Apple II. Ouais, non, Apple II. Ouais, Commodore 64 était pas mal. Brest, c'est une rade, pas une baie. Plus boum. Et ben voilà, on a booté. Pourquoi il reboot? Il reboot. Ah, peut-être pour activer le SSH, un truc comme ça. Il a refait une config de plus. Je surveille ce qu'il nous affiche. C'est bon. C'est bon, normalement c'est bon. Et je devrais pouvoir réussir. C'est bon, t'as fini de redémarrer? Ouais, c'est bon. On va voir si ça marche. Je vais essayer. Bah du coup, lui, non. Je vais essayer de me reconnecter dessus, donc il va pas être content. Donc on va faire un petit ssh-key-gen-r. Hop, on enlève l'ancienne clé et on remet la nouvelle clé immédiatement. Ah non, j'ai mis un autre mot de passe, pardon. Sudo moins s. Ouais, je vais pas mettre sudo. Si, je vais faire un sudo apt update. On va faire une mise à jour. Oui, j'ai eu un doute. L'espace d'un instant, j'ai eu un doute. Ça me trigue à chaque fois le TTI continue, qui s'affiche alors que le boot continue à loguer. Ouais, c'est ça, c'est pas très très gênant. Mais oui, des fois c'est le vieux réflexe de plein d'Unixiens, c'est trois fois se rentrer pour voir si on est toujours bien, si tout est bien. Attends, parce qu'il y a un truc qui m'embête. Est-ce que c'est ça? Voilà. Hop, voilà. Je me suis remis comme ça. Voilà. Alors, maintenant que ça c'est fait, on a un Raspberry Pi standard. Hein. C'est un 2 Go de mémoire. Ouais, c'est un 2 Go qui est installé et qui fonctionne. Ce qui peut être intéressant, c'est de me dire, attends, ça serait bien que je puisse le superviser. Et en termes de supervision, il y a la Musarus Pit qui m'a montré un truc il y a quelques jours. Alors comme je le disais, il m'en avait parlé déjà avant, la première fois où on s'était vu. Mais j'avais pas essayé. Et là, je suis allé jouer avec. Et ce truc, c'est un truc qui s'appelle NetData. NetData.cloud. Alors je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà joué avec NetData. J'ai toujours le réflexe de Numlock pour savoir la machine est plantée. Numlock ou Majlock. Donc il y a un bout de bois qui est en train d'être détruit dans mon bureau. Donc voilà à quoi ça ressemble à NetData. On va l'installer, on va regarder ça. Mais c'est un truc qui m'a un petit peu trigué, NetData, parce que il y a deux choses. Tout d'abord, c'est un logiciel libre qui va permettre de faire de la supervision de machine avec une granularité à la seconde. Ça, c'est assez intéressant que ce soit à la seconde. La seconde, tu l'utilises un petit peu, NetData. Et surtout, donc ça, bon, ok, un logiciel libre qui est publié par eux. Et surtout, ce qu'ils rajoutent en plus, c'est qu'ils ont un cloud qui est gratuit et qui va permettre de centraliser et de faire de la corrélation entre différents éléments. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Le gros avantage de NetData, c'était d'avoir un truc qui s'installe facilement. Voilà. Centaines d'intégrations, des milliers de métriques, zéro configuration. On clique et ça l'installe. C'est ça l'idée. Voir toutes les intégrations. Alors moi, j'ai vraiment à peine regardé. Alors voilà, si c'est gratuit. Alors justement, eux, ils ont toute une explication là-dedans. Pour le moment, leur objectif, c'est de développer le logiciel. Ils ont trouvé des sponsors qui payent pour des investisseurs et des sponsors qui sont intéressés pour le développement du logiciel. Et c'est avec ça qu'ils hébergent leur côté cloud. Voilà. Maintenant, on peut l'utiliser sur des machines
individuellement, on n'est pas obligé d'utiliser leur centralisation. Voilà, je suis, ça m'est dubitatif, c'est à voir quand même. Voilà, ça, c'est à voir. Alors, mais t'es pas obligé de nous envoyer, Ludo, t'es pas obligé de balancer ça dans le cloud. Hein. Alors, les intégrations qu'il y a, il y a tout plein de métriques qui sont là, et, il y a plein d'outils, il est capable de regarder plein de choses derrière. Hein. Il y en a à l'appel. Hein. Donc, je vais pas tous vous les passer parce qu'il y en a vraiment à l'appel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, mais du coup, intégration, elles sont là. GetNetData. Si je vais sur GetNetData. Ah oui, non, alors attends, parce que là, du coup, moi, c'est mes trucs à moi, c'est pas ça que je voudrais. Comment, c'est sur Learn, j'avais vu pour le récupérer. Alors attendez, je fais un petit truc. Je vais le faire dans un truc en navigation privée pour pas avoir mon. Ah, hop, on va revenir comme ça. Alors le client s'installe à coup de cœur les SH. Je pense qu'il doit pouvoir le récupérer et regarder le truc. Bon, Manon. Il me semble que j'avais testé ce truc, mais ils n'ont pas de moyen de distribution standard. Pas de paquet Debian. Cœur là, je suis moyen fan. Moi aussi, je suis moyen fan. Mais je regarde quand même le truc parce que le produit est plutôt pas mal. Voilà. GetNetData, si je clique dessus. Alors, c'est pas celui-là que je voulais. Ça, c'est Cloud Data. C'est le côté cloud. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas le bon truc que je regarde. Voilà, Single Node Monitoring. Oh, mais tu m'emmerdes, je l'ai fait sans. Je suis allé sur learn.netdata.cloud. Voilà. Et il nous explique comment l'installer. Alors, il y a des scripts pour l'installer rapidement. Get started, install now. Donc là, il y a des scripts. Effectivement, il y a wget ici avec un sh. Alors, c'est pas un pipe, hein, c'est un ee. Hein. Mais bon, on peut commencer par faire le wget du fichier ici. Et on peut regarder à quoi ressemble le fichier. Ben. Où est-ce qu'il l'a mis? Ah, dans HTMP, pardon. Je regarde vos messages. Ah, on est bien d'accord, professeur Wannabe. Mais c'est pas parce que le logiciel libre qui est édité est leur plateforme de supervision. C'est comme deux choses différentes. Il y en a un qui est libre, la plateforme de supervision. Après, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Donc, ils ont un tarball qu'ils vont récupérer. Avec ici comment l'installer. On peut désactiver leur télémétrie. Alors je vais pas regarder tout le truc, hein, mais voilà le script. Fait quand même 436 lignes. T'es sage Tokyo, c'est bien. Bonne nuit Rolling Phoenix. Voilà. Et alors, pour l'exécuter, il l'exécute, il a la possibilité d'y passer différentes options. Parce que si jamais je veux pas contribuer au stats et que je veux pas faire
les upgrades automatiques, voilà, et quelques options à passer qui sont celles-là. Moi je vais rajouter les updates, mais je vais exécuter leur script d'installation. C'est tenu pour tu veux que je fasse un shell check de leur truc. Attends, je vais faire CTRL C. Il n'est pas installé. Sudo apt install shell check. Ah. Vous voyez Tokyo? Vous le voyez? Alors, il y a printf de %Q, can't follow non constant source, usage directive. Voilà, il y a deux éléments dedans. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a tout le temps? Moi, oui, tu fais des bijoux. Si tu veux pas qu'on gratouille, ok. Je crois qu'il y a son harnais qui le gratte un petit peu. Donc je vais relancer hein, le script. Donc il me propose de récupérer à nouveau un choix qui fait le ménage et il doit recommencer l'install. Alors il y a la licence. On peut aller la lire, moi je vais l'accepter ici. Alors Punk, je te rassure Manon, Punk elle m'a fait des gros câlins ce matin. Bah déjà, Tokyo m'a fait une fête énorme parce que j'étais pas là de la semaine quand je suis rentré. Et également, comment ça s'appelle Punk, elle m'a fait des câlins, elle m'a pas lâché de toute la soirée quand je suis rentré. Il y a du rouge, ouais, il y a du rouge, mais dans le rouge, il rebascule sur du vert après. En fait, c'est t'as des trucs qui marchent pas, alors il essaie une autre manière. Parce que voilà, il regarde s'il y a du CF, s'il y a du squid, s'il y a de l'I2C, des trucs comme ça, c'est pour ça. Mais normalement, là, ça fonctionne. Si je fais un sudo lsof-i sudo apt install lsof. Comment, pourquoi est-ce que lsof n'est pas installé par défaut? C'est toujours ton bout de bois que tu manges, hein, c'est pas autre chose. Hein. Ouais, c'est ton bout de bois. Là, j'ai bien netdata qui tourne avec l'utilisateur netdata, donc pas en route, sur le port 19999. Voilà. Si je dis pas de bêtises, au boulot, netdata pousse les données dans une base Victoria Matrix hébergée chez nous et on a un Grafana plugé dessus pour visualiser tout ça. C'est possible, je sais pas. Moi, je vais te montrer l'interface qu'elle a. Alors là, il écoute en étoile. Hein. Mais quand j'ai fait des essais que j'ai installé sur un serveur pour voir, il écoutait qu'en localhost. Donc je crois que quand on a une adresse IP locale, hein, il le fait en 192.168.1.58.2.19.999. Et voilà à quoi ressemble NetData. Et voilà notre tableau de bord. Je vais zoomer un petit peu dessus. Voilà notre tableau de bord avec le swap. Avec, je peux difficilement zoomer plus. Je vais peut-être essayer de... Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, alors, attends, on va fermer ça. Ah oui, c'était l'autre que j'ai augmenté. Voilà. Attends, on va faire un truc. Hop, on va enlever ça. Et ici, ben voilà, CPU, je peux regarder l'activité CPU. Qui est ici. Je peux regarder alors CPU, core utilisation, 1, 2, 3, 4. Les interruptions. Mais il y a vraiment plein de trucs. Hein. Au niveau de la mémoire, c'est assez impressionnant. Système, les out of memory kills, committed memory, les page faults, le noyau, le dirty. Là, on est vraiment sur les écritures. Les slab memory statistics,
Après, on arrive sur les disques et l'occupation des disques et l'activité des disques. Donc, on va les voir en temps réel. Hein. Oui, non, le chat est bien ici. Puis ça me fait mal aux fesses quand je vois que le CPU de mon Synology n'est pas mieux que celui du Raspberry Pi 4. Hein, non, mais. Raspberry Pi 4, c'est pas mal. Donc là, on a tous ces graphes-là. Voilà, je vous passe tous les trucs. Après, on peut regarder les disques, remplissage des disques, évolution des disques. La pile TCP. Vous voyez pas grand-chose. Hein. Voilà. En broadcast. Les paquets en multicast, le CN je connais pas spécialement, mais bon voilà. IPv4, bah, je pense que les sockets, bah oui, bah, y a nous qui sommes là. Enfin voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont affichées. On peut regarder les services systemd. Bah là pour le moment il a que la partie CPU. Voilà, pour les services, l'occupation service application. CPU par application avec la liste des applications qui sont écrites. Enfin voilà. L'outil. Et c'est surtout que l'avantage de cet outil, c'est. Ben là, il n'y a rien qui tourne sur ma machine, hein, mais l'avantage de cet outil, c'est que l'installation, elle se fait là et il n'y a rien à configurer derrière, quoi. Ça marche tout de suite. Ce que j'aime bien avec les graphes, c'est que ça permet d'avoir une traçabilité, de voir les pics d'activité qu'on ne voit pas forcément avec autrement. Ça s'appelle de s'initier tout de suite. Punaise, ça me fait. Attends. C'est Kiku Level qui attire vers ce truc-là pour les gens qui aiment manger des graphes. Ben, les graphes, des fois, c'est. Le graphe, quand tu veux déterminer des pics d'activité ou des anomalies, il y a guère. Que ça. Il n'y a guère que ça. Alors, tu disais il y a systemd, c'est parce que j'avais cliqué sur systemd. Maintenant, en termes d'application, il y a toutes les applications qui sont là. Hein. Tu vois, NetData, DHCP, Media, Python, des plugins. Je sais pas moi, qu'est-ce que je préfère tourner. Je vais éviter de cramer la carte micro SD, mais disque, les lecteurs de disques, par application, les ouvertures de fichiers. La quantité de mémoire utilisée, mémoire virtuelle, ils mettent des liens pour qu'on voit des trucs, les fautes en termes de page mémoire, etc. etc. Et du coup, en l'état, ça log sur le disque, je pense. J'ai pas plus creusé que ça. Hein. Je pense que ça log sur le disque. Attends, qu'est-ce que je peux faire? Importe, Nathan, ouais. Parce que si jamais je vais voir sur la machine, cd slash, il installe dans OPT, non? Ouais, OPT, NetData. Il y a un var, je pense que dans var, il y a pas mal de trucs. DB Engine. kilo-octets, ouais, pas encore. Mais cela dit, j'ai pas grand-chose dedans. Hein. Ouais, à mon avis. Mais... L'access, le debug, etc. L'idée, c'est qu'on a peut-être pas envie de tout monitorer. Ouais, non, tu peux te faire des tableaux de bord à partir de là. Ça se trouve, NetData s'appuie uniquement sur ce système D pour choisir. Non, non, il s'appuie pas sur ce système D. Ah, mais vous entendez le. Pourquoi vous entendez le. La cloche? Parce que normalement. Ah, mais oui, j'ai compris pourquoi vous entendez tout.
Est-ce que vous m'entendez toujours? Je pense que vous m'entendez toujours, mais vous devriez plus entendre la cloche. Ouais, mais je comprenais pas pourquoi on l'entendait. Ah, si vous l'entendez toujours. Bah. Voilà, moi je n'entends plus la cloche, vous devriez plus l'entendre. Non, mais il faisait des blagues sur le tennis, il était ex aequo, alors maintenant c'est la belle. NetData supporte le monitoring des cartes RAID LSI, ça peut être pas mal. C'est bon, plus de cloche. Alors, du coup, oui, non, il y a plein de choses. Là-dedans, ici, c'est l'install tel quel, mais je crois que tu dois pouvoir choisir. Ce que tu mets ou ce que tu mets pas. Add more charts. Est-ce qu'on peut en enlever? On doit pouvoir en enlever, hein, je pense. Mais je sais pas comment on fait par contre. Ah voilà. Plus, moins, etc. Celui-là. Ah non, ça c'est pour le. Ma gourde. On va éviter de faire tomber la gourde. On doit pouvoir se configurer. Qu'est-ce qu'on dit là? Ouais, on doit pouvoir les faire. Mais là, je sais pas comment on fait. Par exemple, si je vais. Non. NetData monitoring, il se monitor lui-même. Et si jamais tu veux rajouter des trucs. On peut rajouter des éléments là, visiblement. Là par contre je suis pas allé jusque là moi. Je suis allé jusque là, je me suis amusé avec ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais je suis pas allé tellement plus loin que ça. Là où moi j'avais trouvé ça intéressant, c'est que, et c'est avec ça qu'on a discuté avec, avec SaoSpeed, c'est que par exemple pour la on va dire ça, c'est pas là que je voulais voir. Je vais voir pour les CPU. Pour la mémoire plutôt. Mémoire système. Kernel, voilà, ça a permis, par exemple, dans une discussion, de voir que il y avait, dans un contexte particulier, des pics d'activité réguliers. C'était peut-être pas pour celui-là, mais qu'on n'arrivait pas à détecter autrement, parce que là, il fait vraiment des mesures. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu veux sortir bientôt, bientôt. Bientôt. À la seconde près. Ah. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh bah oui. Tu fais la gueule, c'est ça? Vous l'avez vu. Bientôt, allez faire un petit. Tiens, tu m'as dégueulassé le sol, quelque chose de bien. Les pics à la seconde près, quoi, c'est ça. Et ça peut être pas mal. C'est surtout qu'après tu peux prendre. Voilà, tu peux prendre une zone. Alors attends, je sais plus comment on fait. Tu peux sélectionner une zone. Ouais, on peut prendre alors on peut faire les 5 dernières minutes par exemple, apply. Et on a le résultat sur les 5 dernières minutes. Donc en gros, quand on vient vous voir et qu'on vous dit hier matin à 10h quand les gens sont connectés, il y a eu un problème machin, pof, avec ça, tu peux remonter dessus relativement facilement. Voilà. Donc ça, pour ça, ça m'a l'air vraiment pas mal. Alors je vous dis, je le découvre. Là, ici, là, je vous provoque parce qu'il est en train de mordre le canapé. Non. Tu mords pas ça. Il veut qu'on s'occupe de lui. Allez. T'as été très sage jusqu'à présent. D'accord? Non, qu'est-ce que tu veux? Tu veux me manger, c'est ça? Comme tu dis, Alexia, je fais ce que je veux, je suis un rebelle. Il a un an, donc je te dis pas, il est en pleine. Voilà, c'est.
Il est têtu, il fait ce qu'il a envie de faire quand il a envie de faire en ce moment. Le ski, ça vous parle et ça vous répond. Et oui, c'est exactement ça. Regarde, si jamais lui s'y arrive, là, il va. Ce chien est donc un chat, un petit peu. Je suis tout à fait d'accord avec toi. La granularité ultra fine, ça manque parfois sur les solutions de type Munim qui prend une photo toutes les 5 minutes. Si on n'est pas en face, on ne peut pas comprendre ce qui s'est produit à un instant donné. Bon, pause pour jouer avec Tokyo. Ah, mais il veut pas, à mon avis, il veut. Qu'est-ce qu'il y a? Carrément. Carrément. Vous avez vu la patte? Bienvenue à toi, ne me fais pas rire. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non! Mais non! Sois sage. Sois sage. On va aller après. On va sortir après. Oui? Bah, et vice-versa. Voilà, bon, hop. C'est le démon des fonds, on l'appelle. Oui, voilà, donc du coup, cette granularité, moi, m'intéresse beaucoup, et c'est surtout pour pouvoir déclencher des choses et voir ce qui se passe au niveau de cette granularité sur ce graphe-là. On peut choisir ou pas de faire confiance sur le côté, alors, champeau, je peux remettre en temps réel, pof, de faire confiance ou pas à cette histoire de cloud qui va centraliser les données qu'on a ensemble. Et il peut remonter des alertes. Moi, j'ai reçu les tests que j'ai faits, j'ai reçu des alertes où je me suis rendu compte, ah bah oui, bah là, c'est vrai qu'il y a ça qui ne va pas, etc. Ne me fais pas rire, le chien m'a convaincu. Alors, tu vois, ce qui est très très rigolo, ne me fais pas rire, c'est qu'il y a quelques mois dans mes lives, c'était pas Tokyo qui était là, parce que j'étais là, je viens d'emménager. Hein. C'était Punk qui est un chat. Voilà. Et donc du coup, on passe de chat de Punk à Tokyo en ce moment. Vu de tour sur les genoux, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les genoux. Coucou, Barbara, on arrive en avance à cause du ski. Ouais, mais de toute façon, je vais pas tarder d'arrêter le live. Mais voilà, je voulais vous montrer quand même NetData parce que c'est vraiment, vraiment intéressant, à mon avis, à creuser. Je suis pas allé plus loin que ça, hein. J'ai vraiment juste regardé. Voilà. Alors après, il reste quand même leur truc qui, dans la société. Hop, on va faire netdata.cloud. Si on regarde about. Donc voilà les gars qui ont fait ça. Je suis en train de chercher. Ils embauchent d'ailleurs les investisseurs qui sont là. Ah, c'est pas ça que je cherchais. Punk à chien, bien vu. Compagnie. Les data privacy and security. Il y avait un endroit où j'avais vu le truc où justement ils expliquaient comment ça reste leur modèle économique. Donc pour moi, c'est un petit peu le point problématique pour l'instant. C'était peut-être dans product pricing. Dans le product pricing, ils expliquent que pour le cloud, ils veulent faire payer, mais pour le moment, c'est pas encore prêt. Donc c'est une seconde avec 100 millisecondes de latence. Hein. Oui, je suis à côté de Chiantre. Voilà, c'est le calcul de l'entropie, ça doit être tordu. Boîte US, donc moyen niveau data. Alors. Rock data, net data be free. Donc déjà le logiciel, bah c'est un logiciel libre. Donc là, c'est pas un modèle extraordinaire là, au niveau du logiciel libre. NetData Cloud, lui, il est pas open source. C'est un SaaS. Et en fait, c'est pas lui qui récupère les données. Parce que de ce que je comprends là, because you retain all of your data, NetData Cloud is extremely lightweight and performant with very low incremental cost and infinite scalability. En fait, ils font que. Ah, je pense qu'il doit faire un proxy en fait, pour rassembler vos données, nos données ensemble. In the future, we will offer a paid plan with advanced functionality for enterprise users. The data is a venture-funded company.
Alors, aucune métrique n'est stockée dans Netdata Cloud. Et les données sont envoyées directement des agents sur le dashboard. Is there any on-premise version available? Pas encore, mais ils veulent le faire. Est-ce que je dois utiliser Data Cloud? Non, pas du tout obligé. Le seul défaut pour moi, c'est qu'il n'y a pas de support Windows et j'ai tout un tas de serveurs Windows. Je suis pas sûr qu'il n'y ait pas de serveur Windows. J'ai vu des trucs passer sous Windows. L'accès à ce stream est permis au Windows et en fait, mais bien sûr. Tu sais, il y a un truc, c'est est-ce que ça va être là? Voilà. Donc voilà. Il y a de tout ici. Il y a de tout ici. Donc il faut faire attention à ça quand même. Il faut quand même regarder cette histoire de Netdata Cloud. À mon avis, ça mérite quand même d'y jeter un coup d'œil parce que être capable de récupérer des données comme ça, c'est vraiment pour moi super intéressant. Ici, on voit l'activité, ce qui est rigolo, le réseau en kilobits par seconde. Enfin, ça, c'est vraiment un tableau de bord qui est facile à mettre en œuvre, vite fait, et qui est rigolo. Et après, on a de la granularité, des mesures qui sont faites de façon extrêmement précise et qui, dans leur outil cloud, est capable même de faire de la corrélation. Alors, par contre, ça, j'ai pas creusé, je suis pas allé plus loin que ça. Mais c'est intéressant à voir. Au niveau des interruptions, on peut voir le nombre d'interruptions qu'ils ont eu. Et je pense que pour faire du débugage, ça peut être assez intéressant de temps en temps. Qu'est-ce que nous a envoyé Alexia? Plateforme Policy. Donc ça, c'est du Linux. Alpine Linux. Community, Alpine Linux, Debian. macOS, ça marche. J'ai fait des trucs sur mon MacBook Air. Mais tu vois, FreeBSD, ça y est. POSIX Compliant Shell. Et ils font pas de l'IPMI sur le matériel Power. Et j'avais vu un truc quand tu étais sur Learn. Bah si, voilà, c'était ça, c'est sur Learn aussi. Maintenant, on va reprendre. Learn.data cloud. Si je fais get started. Ah non, t'as raison. Il me semblait avoir vu un truc Windows. Mais non. Linux for offline nodes, on peut même le faire. Ouais, donc c'est quand même vraiment pour des Unix, pour des Unix slides. Des Unix-like. Ici, on trash Debian et c'est maintenant quand même. Alors pourquoi la load a augmenté d'un coup? Je sais pas du tout. Attends, fermer cette fenêtre-là. Attends, je suis pas dans la load là. Hop, je remonte. Ah, faut que je me remette en temps réel, voilà. J'étais en pause. T'as l'activité toutes les secondes et je pense que des fois, tu dois voir apparaître des trucs. Et là, on le voit en fait. Bon, alors, il ne mesure pas grand-chose parce qu'il n'y a pas grand-chose qui tourne sur la machine, mais on voit 2% du CPU pour Netdata. Ça bouffe quoi en ressources? Voilà, t'as l'exemple, ça bouffe. Visiblement pas trop. Alors, je crois qu'ils utilisent. Ils font partie de. Il s'appelle comment le truc de métrique qu'il y a dans le noyau? N'y a pas protocole ou. Parce que j'avais vu des trucs là-dessus sur ce qu'il faisait.
Je suis en train de regarder. J'ai un truc en tête et je suis en train de regarder. De l'ordre de 1% de CPU. Ouais, j'arrive pas à retrouver ce que je cherche, mais... Ouais, FreeBSD macOS, c'est support de la communauté et pas natif. Mais ça marche quand même. Pas d'IPMI. Ah si si Ludo, il y a de l'IPMI. Je suis en retard sur les messages, hein, je regardais moi le truc. Il y a de l'IPMI, il n'y a pas d'IPMI sur Power, sur la plateforme Power. EBPF, merci Nils, c'est EBPF auquel je pensais. EBPF. Je crois que ça travaille avec EBPF. Voilà, c'est avec EBPF qui remonte ça. Je crois que c'est le plugin. Ah oui, on peut. Ah oui, il doit pas être là par défaut, c'est un plugin à rajouter, t'as raison. Mais enfin voilà, c'est pour donner une idée de jusqu'où, des choses qu'on peut creuser. Et je pense qu'il y a des gens ici, ça va être intéressant qu'ils puissent creuser ce genre de choses-là, même si c'est un plugin, même si. Dans certaines situations, ça peut être intéressant de les avoir. Voilà pour NetData. Ah bah si alors. Even more Linux kernel inside via UBPF. Je vais voir si ça peut s'installer sur de l'SXI. À mon avis, il faut essayer. Ouais, c'est propriétaire hein, là, mais. More charts, qu'est-ce que je vais avoir là? Ah oui, il faut aller éditer à la main. C'est ça que je voulais voir. Parce que là, pour CPU, on a quand même. Déjà c'est pas mal. Clock synchronization. C'est. Là, il y a le NTP. J'ai eu 6 millisecondes de... 6 millisecondes et demie de décalage hein, là. 7,6. Hop. Non, enfin, moi je trouve ça pas mal. Ah oui, joli petit graphe que Cyril nous a posté. Attends, est-ce qu'il est, il est là? High level feature and architecture net data. Donc on peut balancer du SNMP. Moi, pour l'intérieur, pour la maison, là, ça m'intéresse. Backend derrière du premier TUS, OpenTSB, Kafka, Graphite, Grafana derrière. Tout ce qu'on veut. Je viens de trouver, ça supporte VMware vCenter. Bah écoute. Ouais, une belle usine à gaz, comme tu dis, il y en a un peu dans tous les sens. Mais ici, c'est global. Hein. Je sais pas si tu vois, il y a peut-être du Linux, tu as du FreeBSD, tu as du macOS. Attends, c'est pas le bon truc que je zoome, mais c'est pas grave. Voilà, tu vois vraiment, t'as tous les. T'as du port check, t'as CGP check. Bienvenue, Sacrod. Le mec qui fait le schéma, clairement, il a dû faire des choix dans ce qu'il va afficher. Ouais, je pense aussi. Database replication. Donc effectivement, on peut mettre des alarmes. SVG badges from metrics, ça peut être pas mal non plus.
Non, franchement, moi j'ai été. Je suis assez bluffé par ça. Et bienvenue également à Unki78. Le mec qui a fait le chien. Oui, c'est ça. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous montrer ce soir. Si je récapitule ce qu'on a fait ce soir, ça fait déjà 2h15 qu'on est en live. Si je récapitule ce qu'on a fait ce soir, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a installé un Raspberry Pi en partant d'une carte. Une carte vierge. Et sans avoir passé par un ordinateur à côté. Alors il a fallu le préparer, hein. Bienvenue à Oshi également. Sans avoir à le préparer, quand je dis avoir à le préparer, on a mis une carte micro SD vierge, et le système a été capable de booter par la prise RJ45. Hein. Donc attention, hein, il y a le RJ45 qui est ici, hein. Que j'ai branché sur Raspberry Pi, il n'était pas en Wi-Fi. Hein. En Wi-Fi, ça ne marchera pas. Là, c'est celui-là qu'on avait. Vas-y, allez. Non, tu veux pas faire la mise au point. Voilà. Voilà Raspberry Pi en question. Ça, c'est le. Ce que vous voyez ici, c'est pour mon clavier. Un seul dongle pour le clavier. Et puis voilà. Donc là c'est ce qu'on a fait. Première chose qu'on a fait. On a un petit peu bavé parce que je me suis un petit peu. Vautrer d'abord avec la carte SD vierge que j'ai fait disparaître dans le boîtier sans la brancher. Et puis ensuite, on s'est un peu battu avec le réseau puisqu'ils ont un load balancer, c'est en bêta, donc bon. C'est encore un peu bancal sur certains points, mais ça marche plutôt pas mal. À quand le capteur de proximité sur la cam, faire la mise au point au quart de tour. Je sais que j'ai un truc avec cette caméra, avec un bouton pour le faire automatiquement, mais en fait, pour faire ce qu'ils appellent le product shot, quand tu montres un produit devant, pof, il te laisse tomber toi, il prend le produit devant pour faire la mise au point. Voilà, comme ça. Mais là, j'avais mis la mise au point en semi-manuel, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Trouver, il y a un outil Windows Exporter pour exporter les données de machine Windows, mais c'est limité à tester, et c'est bien ce que je vais faire. Écoute, Alexia, ça m'intéresse que tu nous fasses un retour là-dessus, parce que ça peut être vraiment pas mal. Un bouton pour le faire automatiquement, pour faire ça. Je crois que d'ailleurs, j'avais activé cette configuration, quand tu mets un truc devant, il fait la mise au point le plus vite possible dessus. Voilà. Et les choses que j'avais désactivées, puisque je m'étais mis à une certaine distance et j'étais en mode semi-manuel, c'est-à-dire qu'il faisait quand même une mise au point, mais il faisait pas une mise au point sur les trucs trop en avant. Et de toute façon, il faut que je cache mes yeux pour qu'il fasse la mise au point, normalement. Voilà. Non, c'est pas mal, hein. Franchement, là, cette caméra-là, elle est vraiment super. Hein. Franchement... Je peux montrer ma petite clé Sonoff. Hein. Voilà, c'est sur ma main qui fait la mise au point. Et il suffit que je le montre pour que ça marche pas. Voilà. Voilà, j'y fais tous tes tests, Cyril. Voilà, je vais vous proposer qu'on aille faire un petit raid. Hop. Vers qui on pourrait aller faire un petit tour là. Il y a plein de protopotes en live. Ah bah oui, il y a l'ami Barbatronic. Je vais peut-être aller faire un raid vers l'ami Barbatronic. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et ouais, encore une fois, joyeux anniversaire pour Manon. Allez, hop, je vais aller le raid, où est-ce qu'il est? Hop, Barbatronic. Merci beaucoup, Manon, pour les 10... Barbatronic Live. Hop, ah oui, ça a recassé mon. Attends. Ça a recassé mon. Je reviens, vous affolez pas, je reviens. Attends. Ouais, mais non, je peux pas le faire comme ça. Je reviens. Je reviens. En plus, là, je vous vois plus, donc. Voilà, les bits font disparaître le truc. Je vous proposais qu'on... Merci beaucoup Alexia pour les 1000 bits. Merci énormément. Faut que je trouve pourquoi ça bug comme ça. J'aurais dû donner des bits pendant la démo. Ouais, t'aurais pu. Eh bien, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Prochain live, je sais pas si j'en ferai un mercredi, peut-être... Je vous tiendrai au courant, autrement vendredi.
Il y a rarement du monde en vocal, Ludo, mais faut que ça vienne. Faut que ça vienne petit à petit. Le Discord augmente régulièrement, donc pourquoi pas. Je vous souhaite une très très bonne soirée, et puis je vais lancer le raid vers l'ami Barbatronic. Alors, est-ce qu'on arrive sur Barbatronic? Voilà, on va bientôt lancer le live. Bonne nuit à tous, bonne soirée, merci d'avoir été là. Et puis, bah, soit à vendredi ou alors à mercredi, 21h. Ciao tout le monde et merci d'avoir été là. Viewers, comment ça allait chez Yorzian? Qu'est-ce que vous avez fait? Bonsoir à toutes et à tous. On est en live sur Freecad.